pour l'organisation, parce que c'est une très belle salle. Et ça fait toujours plaisir d'aller dans une belle salle comme ça, et avec des gens tout aussi sympas et généreux, et on porte tous le même combat. Merci. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane, qui n'est pas encore arrivé. Au nom de TDP 93, je remercie chaleureusement Guillaume, Théo, Félix, Denise et Benoît, Jean-Marc, pour l'organisation de cette convention des territoires. Je remercie également Xavier Montaron, notre président départemental, et Jean-Michel, pour leur confiance et leurs conseils. Quel beau symbole de se réunir à Aubervilliers, où je suis élue en charge de la lutte contre l'habitat indigne, pour parler logement. À Aubervilliers, ville-monde, pour parler Europe. À Aubervilliers, ville aux 47% de femmes, pour parler égalité. C'est un vrai bonheur de vous recevoir. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Je suis ravie d'être avec vous, parmi vous, pour ce moment précieux où nous pourrons échanger, réfléchir et débattre. Nous avons déjà commencé depuis ce matin, des défis que nous allons devoir relever dans le respect de nos valeurs si importantes au sein de la majorité présidentielle. J'en profite aussi pour remercier tous les organisateurs de nous permettre d'être présents ici dans cette très belle salle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis députée du Morbihan, de la circonscription de Lorient-Groix. Une circonscription en fait avec des caractéristiques qui m'ont encouragée à être dans la commission de la défense, puisque nous avons deux bases militaires, une industrie de défense à Valgroup et tout un écosystème, donc PME, TPE, start-up, recherche et innovation autour de la défense. Et c'est pour ça que je me suis investie au sein de cette commission. Et j'ai encore été un peu plus loin, parce que je suis également présidente du groupe Industrie de la Défense à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ma commission permanente, la commission de la défense. Et je suis aussi membre de la commission des affaires européennes, qui est une commission transversale, où je trouvais qu'il y avait tout son sens, c'est une, en complémentarité de l'Europe de la défense, mais également par rapport à ma circonscription pour la maritimité, la pêche. Sans être trop longue, je voudrais juste aborder mes travaux dans ces commissions. J'ai été rapporteur d'une première mission d'information sur les grands fonds marins en amont de la loi de programmation militaire. Donc vous savez que cette année, nous avons travaillé sur le sujet. Et c'est une loi de programmation militaire historique qui s'explique par notre contexte géopolitique, un montant de 413 milliards d'euros qui a été consacré sur plusieurs années. Et je viens de finir une autre mission au sein de la Commission des affaires européennes qui porte sur le bilan des accords de libre-échange de l'Union européenne. J'ai présenté pas plus tard que la semaine dernière. Et c'était effectivement un point très important où il y a des enjeux d'export sur lesquels en fait je reviendrai sur ma circonscription. Et bientôt, je viens d'être nommé rapporteur d'une autre mission d'information sur l'industrie de la défense au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez, tout se recoupe au sein de mes commissions. Pour l'actualité de l'Assemblée, parce que je voulais aussi profiter de ma présence pour vous en parler, j'étais encore hier soir dans l'hémicycle, puisque nos séances finissent à minuit, où nous étions en train de travailler sur le projet de loi de finances 2024 pour l'enseignement scolaire, et nous étions avec notre ministre Gabriel Attal. Je dois dire que nous avons fini par un bel amendement, en fait, juste avant minuit. Il s'agit d'un amendement, en fait, qui permet de créer des brigades anti-harcèlement dans toutes les académies de France, donc à hauteur de 30 millions d'euros. C'est vraiment une très belle avancée. Gabriel Attal, vraiment, en fait, une de ses priorités. Et voilà, c'est un porteur de finir, en fait, par cet amendement qui a été voté. Alors, ces débats sont importants sur le PLF, car ils permettront quand même au gouvernement de retenir en fait des amendements en fait nécessaires, et cet amendement que je viens d'évoquer en fera forcément partie. C'est important que nous ayons ce débat aussi face, vous savez, à nos oppositions en fait qui sont contre tout en fait. Donc, il nous faut avancer en négociant et avec des compromis. Alors, avant la fin de l'année, nous aurons encore d'autres textes majeurs, et je pense au texte sur l'immigration, qui va d'abord commencer à être instruit au Sénat et qui nous reviendra début décembre à l'Assemblée.
Ce texte, déjà, vous en entendez parler, et un article, l'article 3, qui fait l'objet de sérieux débats. Je veux que cet article, en fait, soit débattu, parce que, en fait, il s'agit de la régularisation des travailleurs, en fait, qui méritent d'être sur notre territoire pour des métiers en tension. Vous avez entendu notre ministre en parler, Olivier Dussopt, depuis un certain temps. En toute cette cause, il y a des vérités, en fait, de la droite pour supprimer cet article 3. Nous avons travaillé pour maintenir cet article 3. C'est aussi notre marqueur, en fait, territoire de progrès pour certains projets de loi. Et vous pouvez compter sur moi, en fait, pour défendre, en fait, nos valeurs, territoire de progrès, dans mon travail de parlementaire. Parce que, effectivement, nous sommes confrontés à la montée des extrêmes, extrême droite et extrême gauche. Souvent, j'entends parler de la gauche. Non, il faut parler de l'extrême gauche. Il faut vraiment utiliser les bons termes. Je sais que souvent, ils n'aiment pas ça, mais parlons des extrêmes. Et effectivement, leur montée est préoccupante parce que l'extrême gauche fait le jeu de l'extrême droite. Et notre parti, Territoire de Progrès, incarne des valeurs de pragmatisme, de respect et la diversité, et également des valeurs d'équilibre. Alors je suis déterminée à incarner la voix de la raison et de l'unité, cette voix de la gauche responsable et joyeuse, prête à défendre nos convictions tout en restant ouverte au dialogue et au compromis. Et vous pouvez compter sur moi, hein, comme je viens de le dire, parce que je défendrai ces valeurs, en fait, tout au long de mon mandat d'élu, que ce soit à l'Assemblée, mais que ce soit aussi sur mon territoire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Vive Territoire de Progrès, qui a toute sa place dans la majorité présidentielle. Je vous remercie. Bonjour les amis, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cette belle ville d'Aubervilliers. Merci beaucoup Véronique d'avoir fait en sorte que cette convention se passe ici. Nous aurons la chance d'accueillir, comme vous le savez, la maire d'Aubervilliers tout à l'heure, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans sa ville. Également Olivier, Agnès, également Laurence Boone. On aura également le maire de Bayonne. On a Frédéric David, DG de l'IFOP. On a un beau panel d'invités une nouvelle fois à la suite de notre première convention des progrès pour faire vivre notre parti. Je voudrais remercier à ce titre les bénévoles qui se sont mobilisés pour que cette journée ait lieu. Théo, Félix, toute l'équipe, vraiment Patrick, j'en oublie, mais vraiment merci, et merci à vous tous de faire vivre Territoire de Progrès dans les territoires. C'est important, je sais que c'est pas tout le temps évident, je sais que vous le faites avec envie, avec talent, avec l'envie de bien faire, et tout ça en association avec Renaissance. C'est pas toujours simple, mais vous y arrivez. En tout cas, merci d'être mobilisés, d'être présents. Je sais qu'à la suite de la Convention des Progrès, nous avions promis de nous réunir TDP, nous, autour de notre parti et de notre président. C'est aujourd'hui le cas. Je suis très heureux de cette journée parce qu'elle est dense, en contenu, elle est dense en fond. On aura juste après ces premiers discours qu'on va faire court une formation militante qui va être faite par Bruno et Benoît. À la suite de cette formation, nous aurons Jean-Marc Pasquier et Florence Demassol qui vont vous présenter l'ébauche de la première revue de Territoire de Progrès, ce qu'on a l'ambition de produire du fond. Il y a un très bel objet qui sortira à la fin de l'année, de plusieurs centaines de pages, qui sera un peu le résultat de ce qui a été réfléchi à la Convention des Progrès. On aura également Sylvie Rossoir, que je salue, qui nous présentera le réseau Égalité. Et puis cet après-midi, deux belles tables rondes, une sur l'Europe, et je suis très fier, et on en reparlera tout à l'heure, de présenter le travail qu'a effectué le Pôle Europe de Territoire de Progrès, puisqu'ils ont cartographié l'action de l'Union européenne dans tous vos départements. C'est un boulot énorme qui est fait bénévolement, et je voudrais les saluer, parce que c'est vraiment un travail exceptionnel. Ce travail nous permet, et on aura du coup ce livre qu'on remettra à la ministre, ce travail nous permet de nous inscrire, nous, Territoire de Progrès, dans cette campagne des élections européennes qui s'annonce, cette campagne où, vous le savez, nous avons toute notre place en tant que parti de la gauche joyeuse, mais aussi en tant que parti de la gauche responsable qui fait face à une montée du Front National, du Rassemblement National, que nous devons contrer. Et ce travail-là permet de montrer que, concrètement, l'Union européenne agit dans les territoires. Quand vous avez Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui, à grand renfort de caméra, inaugure le parvis de la gare de Hénin-Beaumont, il oublie de dire que c'est financé
par des fonds de l'Union européenne. Donc ils sont contre l'Europe, sauf quand il s'agit de récupérer des fonds pour eux. Donc tout cela, nous devons le mettre en avant, tout cela, nous allons le mettre en avant et nous allons nous inscrire dans cette campagne comme un des moteurs de la majorité. Je ne serai pas plus long, parce qu'on aura l'occasion de parler à nouveau longuement durant cette journée. Les militants arrivent petit à petit de toute la France. Je voudrais vraiment vous remercier, saluer les camarades qui n'ont pas pu venir, notamment de Bretagne, de la Manche, de Normandie. Je sais que la tempête a soufflé très fort et a fait de nombreux dégâts. En tout cas, merci d'être venu. Je suis très heureux de vous retrouver et on va passer une très belle journée ensemble. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors je vais paraphraser l'ancien président de la République. C'est loin, mais c'est beau. C'est sympa. Non, c'est pas loin, en tout cas pour moi ça va, c'est les Hauts-de-Seine et le 93 c'est à côté, mais je pense à vous effectivement, et Guillaume tu l'as dit, vous venez la plupart de loin, de province, et c'est un effort, et c'est un effort pour tous, parce que c'est un effort financier avant tout, quand on est militant, et pour ça je voulais vous remercier, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde, et dans cette période un peu compliquée économiquement pour nos concitoyens, et donc c'est un acte militant supplémentaire, et c'est un peu à l'image de Territoire de Progrès, c'est un parti avant tout de militants, un parti de bénévoles, nous n'avons aucun permanent, aucun salarié, et tout repose, toute notre organisation repose sur la bonne volonté des uns et des autres, et ça vraiment je tiens à vous saluer et à vous remercier, parce que encore une fois, sans vous, Territoire de Progrès n'existerait pas, et sans l'équipe d'ailleurs que dirige Guillaume avec Théo, tous ces événements que nous essayons d'organiser une à deux fois par an, ce sont des bénévoles uniquement qui le mettent en place. C'est financé uniquement par vos cotisations. Donc je tiens aussi à préciser, nous n'avons aucune dotation publique, aucune levée de fonds importante qui nous permette. Donc c'est uniquement sur vos cotisations. Et donc ça nous paraissait aussi important de soulever. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure lorsque nos ministres seront présents. Je reprendrai la parole sur les enjeux politiques, à la fois nationaux et internationaux, ce monde un peu qui vacille, cette Europe qui vacille, et la place aujourd'hui de la social-démocratie, du progressisme dans ce pays, dans notre pays, qui aujourd'hui se radicalise d'un côté comme de l'autre. Et donc on a besoin aussi d'avoir cette gauche responsable, cette gauche qui incarne la social-démocratie, qui incarne le progressisme, quand la gauche, la maison de Jaurès, est plus maintenant tournée vers la maison de Staline. Et donc on a aujourd'hui besoin, effectivement, de cette gauche de Territoire de Progrès. Territoire de Progrès qui, vous le savez, on a eu un vrai débat lors de notre congrès sur l'avenir de Territoire de Progrès, notre absorption, notre disparition. Bah, force est de constater qu'un an après, les mêmes qui pensaient qu'on allait être absorbés, les mêmes qui souhaitaient qu'on soit être absorbés, se disent, par fin de compte, peut-être que Territoire de Progrès, en tant que parti non pas associé, mais maintenant, on peut le dire, parti confédéré, bah, en fait, c'est utile. C'est utile à la majorité présidentielle. Et c'est d'autant plus utile que nous produisons. Nous ne sommes pas seulement là pour distribuer des tracts, coller des affiches, c'est de constater qu'on ne vous donne pas beaucoup de matériel pour l'instant sur le terrain pour le faire, et Renaissance n'en fait pas beaucoup plus non plus. Mais au moins, nous produisons, nous réfléchissons, nous avons des groupes de travail qui sont des groupes permanents. Nous réunissons, grâce à l'organisation de Théo et de Guillaume, plusieurs fois dans l'année, pour justement être cette force de proposition pour la majorité présidentielle et avoir cette ambition pour la majorité présidentielle. Nous, je veux vous dire, et je ne fais pas offense ni à Agnès, ni à Olivier, ni à Patricia, pour l'instant, nous n'avons pas de candidat pour l'élection présidentielle. Donc nous, on veut être utile à la majorité présidentielle, on veut être utile à ce bloc central que Emmanuel Macron a voulu, et ce dépassement politique qu'Emmanuel Macron a organisé depuis 2017. Et donc, cette confédération, ce bloc central, avec nos amis d'Horizon, avec le Modem, avec bien sûr Renaissance, dont nous avons le choix collectif de participer à cette construction. Nous, Territoire de Progrès, nous existons, nous allons continuer à exister, nous allons continuer à nous renforcer. Et moi, j'ai reçu le mandat de notre président Olivier Dussopt
pour aller plus loin, et on en parlait tout à l'heure avec Lysiane, pour aller plus loin aussi avec les parlementaires, et que les parlementaires puissent exister en tant que territoire de progrès. Vous savez, ça a été tout un débat aussi lors de notre congrès sur notre capacité à exister en tant que tel. Alors, je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui que nous avons créé un groupe. On ne créera pas de groupe. En tout cas, pas pour l'instant, parce qu'on n'est pas dans une configuration où on peut se permettre de diviser, même sur le papier, parce qu'on n'est pas obligé de diviser sur le fond, mais en tout cas sur le papier, on ne peut pas se permettre de diviser la majorité présidentielle. Mais on peut aussi porter un certain nombre de propositions. Nos parlementaires, qui sont à l'Assemblée ou au Sénat, peuvent porter un certain nombre d'amendements, de propositions de loi qui soient étiquetées territoire de progrès. Et ça, c'est tout l'enjeu des prochains mois. C'est le mandat que moi j'ai reçu d'Olivier Dussopt pour travailler avec les parlementaires et essayer de construire quelque chose, une identité territoire de progrès au sein du Parlement. Et c'est l'enjeu des prochaines semaines. Alors, voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'encore une fois, on aura l'occasion de reprendre la parole. J'ai pour habitude de dire, je l'avais dit, c'était à Paris la dernière fois, je ne m'en rappelle plus, on en fait tellement. C'était à Paris, oui, je disais qu'un parti qui ne réfléchit pas est un parti qui se meurt. Et puis moi, je pense aussi qu'au-delà de réfléchir, on réfléchira cet après-midi, mais un parti qui ne forme pas ses cadres et ses militants, c'est un parti qui n'a pas d'avenir. Et c'est un peu ce que les partis politiques ont oublié depuis un certain nombre d'années. Moi, vous savez, moi je viens du Parti Socialiste. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé au Parti Socialiste il y a 22 ans, oui, c'est un peu de temps maintenant déjà, on était tous formés. On avait des sessions de formation. La jeunesse était formée, les cadres étaient formés, on avait des sessions. Et puis petit à petit, ça s'est délité, et petit à petit, le Parti Socialiste n'a plus formé ses cadres. Et puis, il faut se le dire, on est entre nous, mais Renaissance ne forme pas beaucoup plus ses cadres, ne forme pas beaucoup plus ses militants. Alors, il y a quelques réunions d'information, voilà, mais globalement, on ne forme pas assez. Et donc, nous, on doit pouvoir être cette force de formation, cette force de proposition, et donc c'est l'enjeu de cette journée, de cette matinée, avec une formation qui en appellera d'autres, et peut-être de façon dématérialisée pour que tout le monde puisse participer, mais aussi cette session de réflexion et de production d'idées, de fonds, à partir de cet après-midi. Donc moi, je suis très heureux de participer avec vous pendant toute cette journée, très heureux de participer aussi au déjeuner avec un couscous royal ce midi. On aura le plaisir, parce que c'est aussi ça, le fait de militer, c'est ces moments de convivialité qui sont importants. Et donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et encore merci de votre présence dès ce matin. Et Guillaume m'a dit qu'on peut lancer dès maintenant la formation avec Benoît et Bruno. Et Bruno. Qu'on remercie. Qu'on remercie. Merci à vous. Bruno qui arrive, il arrive par la droite, donc il va être un peu plus long. Ah. C'est un hasard. On est un petit peu contraint par le temps, comme vous pouvez le noter, donc on va faire une formation flash. Mais rassurez-vous, tout a été déjà écrit. Donc en fait, on a produit une formation sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, en PDF. Et en PowerPoint, qu'on vous communiquera sur cette boucle, qui servira aux délégués à pouvoir faire de la formation aussi de leur côté s'ils le souhaitent. En parallèle, on a aussi une formation Telegram qu'on a prévue, qu'on vous mettra aussi sur la boucle. Et avec Bruno, on sera complètement dédié à vous tous, tout au long de la journée, alors peut-être pas au moment du repas et de l'apéro, mais entre les deux, vous pourrez venir nous solliciter et demander des conseils. Si on peut y répondre, ça sera avec grand plaisir. You can come here. Alors, vous avez... Ah, ça, c'est nous. Ça, vous avez compris. Donc, je veux bien que tu lances la slide, s'il te plaît. Non. La slide PowerPoint. La slide PowerPoint, réussir son ancrage local, s'il vous plaît. Donc, le temps que le slide arrive... Un mot complémentaire d'introduction. En effet, comme disait Benoît, on va tester une première séquence un peu rapide de formation autour de l'ancrage local. On a pas mal d'autres idées à développer derrière. Et bien sûr, ça va être qu'une approche de ce qui me semble important, qui est tiré essentiellement de vos expériences. Et après, on sera à disposition pour aller plus loin. L'ancrage local, le slide va arriver, c'est une chose essentielle. Un mouvement politique est très mobilisé sur ces échéances électorales, mais c'est entre les échéances électorales qu'on réussit les échéances électorales.
Et pour réussir ces échéances électorales, il faut être présent sur son territoire, il faut avoir du monde avec soi, il faut être reconnu, il faut avoir des contenus, tout ce qu'on peut savoir au travers de nos différentes sources d'information, mais aussi ce que le mouvement peut vous proposer. Et on va rapidement balayer toutes les sources de contenu que le mouvement propose et qui, il nous semble, sont pas toujours très, très connues. Et après, on va vous parler des outils et méthodes qu'on a pu recenser et faire quelques zooms en fonction du temps disponible sur des expériences et bien sûr répondre à vos questions et partager surtout vos expériences. Le slide arrive. On n'a pas fait la formation PowerPoint encore. En fait, il n'y a qu'un slide. Voilà. Donc on va. Bah sinon, on peut le faire là-dessus. On peut le faire comme ça, sans slide. De toute façon, on vous le communiquera également. Ce que je voulais juste vous dire, et qu'il y a sur le premier slide, qui arrive. Ça vient. Non, c'est pas ça. On arrive. C'est pas celui-ci. Il faut revenir sur le slide numéro 2. Alors, sur le slide numéro 2, on recense tous les contenus que le mouvement met à votre disposition. Dans ces contenus, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est au travers de tout ce que ont fait les groupes de travail. Les groupes de travail, vous le savez, ont mobilisé plus d'un millier de militants, il y en a 11. Ils ont produit un certain nombre de progrès qui ont été proposés au printemps, qui ont été proposés tout récemment au Conseil national. Certains d'entre vous, délégués thématiques, y ont participé. Maintenant, ça fait l'objet d'un certain nombre d'études. Enfin, il y a énormément de choses au travers de ça. Et on va donc vous partager un document de synthèse qui reprend tout ce que le mouvement a pu réfléchir au travers de vous tous et tous les militants sur ce sujet-là. Dans les contenus, il y a aussi quelque chose qui est pas assez connu, qui s'appelle les notes d'actualité. Les notes d'actualité, c'est des documents qui, en fonction d'un sujet d'actualité, d'une thématique, sont faits par des personnes comme Baptiste Murgia et son équipe, et qui permettent de dire, voilà le sujet, voilà ce qui a été fait, et voilà la posture de Territoire de Progrès par rapport à ça. Il y a une trentaine de notes d'actualité qui ont été réalisées depuis maintenant 2 mois, elles sont diffusées sur certaines boucles, comme les boucles des délégués. On va faire en sorte de les diffuser largement pour que vous ayez à tout moment les dernières notes d'actualité, que vous ayez aussi la mémoire de toutes les notes qui sont sorties, ce qui permet d'avancer par rapport à ça. Sur ce slide qui arrive également, on parlait aussi des réseaux sociaux. On va en reparler avec Benoît, mais on parlait également des boucles Telegram. Il existe une foultitude de boucles Telegram. On s'y perd, mais il y en a quelques-unes. On va aller directement sur le slide numéro 3. Tac. Voilà. Mais il y en a quelques-unes qui sont incontournables. Incontournables pour tous. Il y a la boucle d'Olivier, notre président, qui raconte son actualité, qui raconte ses positions sur un certain nombre de sujets où il agit avec son ministère, ou alors des sujets plus généraux. Il y a une boucle qui s'appelle Canal Info Presse TDP. C'est une boucle qui recense tous les jours dans la presse tout ce qui est intéressant et qui nous parle et que nous pouvons nous-mêmes relayer, et c'est le début de l'ancrage local dans nos différentes actions. Il y a une autre boucle qui s'appelle Mobilisation numérique qui, elle, aussi reprend des éléments d'information, de contenu ou de posture de Territoire de Progrès, mais qui sont déjà préformatés pour être mises directement sur les réseaux sociaux. Il y a une boucle adhérent qu'on connaît plus largement. Tout le monde n'est pas inscrit sur l'intégralité de ces boucles. On est à votre disposition, je sais que c'est compliqué pour certains d'avoir certaines inscriptions, mais on est à votre disposition pour que tout ça soit diffusé auprès de tout le monde. Donc à savoir qu'on a fait une liste de ces boucles qui seront sur les docs. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur chaque boucle qui est en lien hypertexte et ça vous permettra de vous connecter. Donc ça ne sert à rien de prendre des notes en fait. Il vaut mieux écouter ce qu'il dit, c'est plus intéressant. On a aussi des communiqués de presse réguliers qui sont faits. On a aussi enfin un numéro 1 du newsletter qui vient de sortir et qui synthétise toute une série d'éléments et qui ont vocation à être largement diffusé. Sur lequel a bossé Roman, d'ailleurs, avec le brillant. Voilà. Et il y a toutes les autres sources d'informations que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Le bilan du premier quinquennat, le texte d'orientation au Territoire de Progrès et à l'IV d'accueil du militant. Donc c'est toute une série d'éléments de contenu sur lesquels on a voulu recenser cela, ce qui existait, et sur lesquels on va mettre ça à votre disposition dans un support unique,
pour vous permettre à tout moment de pouvoir vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe sur tel sujet, est-ce qu'il y a de l'information, quelle est la position territoire de progrès, quelle est l'actualité. Donc ça, c'est le préalable à l'action d'ancrage local. À partir de là, l'ancrage local, c'est l'animation du territoire, mais c'est déjà la, d'abord la connaissance du territoire. Donc le premier élément de l'ancrage local qu'on a tenu à mettre en avant, c'est quelle est notre stratégie politique, que ce soit au niveau d'un département, d'une circonscription, d'une agglomération, d'une ville, quelle est notre stratégie politique. Et à partir de là, il y a deux étapes qui sont pratiquées par un certain nombre d'amis dans certains territoires et qui donnent des résultats intéressants, et qu'on a souhaité reprendre là. La première étape, c'est de savoir faire la cartographie de son territoire. Quel est mon territoire? On pense tous le connaître, mais il y a quand même quelques éléments factuels qu'il est nécessaire de savoir reprendre. Quelles sont les forces en présence? Quels sont les réseaux en place? Qui sont les grandes personnalités? Quels sont les résultats des élections sur les dernières échéances? Quels sont les projets en cours ou à venir? Et quelles sont les préoccupations des électeurs? Ce travail fondamental de connaissance du territoire est la base indispensable pour derrière pouvoir définir une stratégie. On sera avec Benoît et l'équipe à votre totale disposition, si vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, pour vous accompagner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dans ce travail-là. Le deuxième point, c'est l'écriture d'une stratégie. Alors, c'est un mot un peu pompeux pour dire simplement se donner des objectifs. Quel est mon objectif à la prochaine échéance? Qu'est-ce que je souhaite réaliser? Et à partir de là, en fonction des ressources disponibles, quelles sont les étapes que je souhaite mettre en place? Et là, on pourra mettre à votre disposition un outil qui permet de recenser ça et de les planifier dans le temps afin de pouvoir organiser son travail sur cette base-là. Et à partir de là, suivre le plan d'action. On ne va pas aller plus loin parce qu'on est dans un temps limité sur avoir une stratégie politique. Toutefois, c'est le point fondamental. Et c'est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas une échéance électorale à très court terme, que ce travail peut et doit être fait. Après, on sera sur l'échéance, ça sera trop tard. C'est important. Je te coupe parce que vas-y. C'est à quatre mains, mais voilà, je suis un peu mal poli. En fait, c'est très intéressant ce que dit Bruno, j'espère que vous appréciez. Mais par exemple, actuellement, il faut commencer à parler des municipales. C'est maintenant que ça se fait. Donc commencer à monter des équipes, peu importe qui sera la tête de liste, mais il faut commencer à cartographier votre territoire, on en parlait avec Lisiane tout à l'heure, à aller dans des associations qui sont intéressantes, à vous faire connaître. Si vous êtes délégué régional ou territorial, TDP, faire des communiqués de presse en votre nom et en nom du parti. C'est maintenant que ça se décline. Vous avez 3 ans pour préparer les municipales. C'est pas au dernier moment, ce qui a souvent été le cas malheureusement, jusqu'à présent, qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant. Donc nous, on sera à votre dispo. S'il faut, enfin, d'ailleurs il faut, on va organiser des visios où on pourra discuter à bâton rompu entre nous et servir un peu de boîte à outils et de pour vous et vous accompagner dans cette démarche. Voilà, excusez-moi. Merci Benoît. Sur la stratégie politique, dernier élément pour compléter, on peut, pour un certain nombre d'entre nous, on en parlait tout à l'heure, se retrouver en face d'équipes qui ne sont pas nécessairement celles de notre majorité. Et là, il y a un point qui est fondamental, on le sait tous, mais je le rappelle, c'est que c'est par la mise en place d'un rapport de force intelligent qu'on peut progresser. Et non arriver un jour en disant « Coucou, on est là, on voudrait de la place et on a des choses à dire ». Donc ces éléments de rapport, c'est maintenant qu'il faut les bâtir. C'est maintenant que c'est important. On a, après avoir élaboré toute cette stratégie politique, tout le sujet de l'animation des réseaux sociaux, on y reviendra après avec Benoît. On a tout le sujet de création d'événements locaux. Et là, c'est tous les événements locaux. On en a listé quelques-uns assez basiques. La réunion militant, le point accueil sympathisant, des actions terrain, événementielles sur les marchés, etc. Café citoyen, par exemple, qui marche très bien. C'est tout bon, hein. Un café, des citoyens. Et on discute de sujets d'actualité. Donc on évite la guerre actuelle, par exemple, mais des sujets plus sociétaux. Et ça va faire venir du monde. Peut-être des personnes, enfin sûrement même des personnes qui ne sont pas de chez TDP et que vous allez pouvoir faire adhérer aussi, ou intégrer dans une future équipe municipale, puisque les gens sont
intéressés par votre sujet, donc éventuellement déjà compétents ou en demande sur ce sujet. Ça permet de faire venir à soi, comme dirait quelqu'un de connu. Et là, on va vous mettre à disposition une banque d'expérience, là où il y a des choses qui se font, quels résultats ça donne, quelle énergie ça demande de mobiliser, quels outils ont été utilisés ou quels outils ont été créés. Et on va faire en sorte de remonter ces outils pour vous ayez une véritable banque d'outils à votre disposition pour mener les événements que vous souhaitez. Et si vous dites, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi exactement, bien sûr, on est à votre disposition pour avancer par rapport à ça. Que personne ne se sente seul par rapport à une problématique, par rapport à l'envie de faire quelque chose, en se disant, mais comment je peux m'y prendre? On vous recensera également la totalité des outils territoires de progrès qui peuvent exister. On n'en a pas pléthore, mais on en a quand même quelques-uns. On a une charte graphique qu'on est capable de personnaliser. On a des badges, on a des t-shirts, on a des kakémonos. On a des kakémonos dans chaque département qui peuvent permettre de montrer qu'on est présent. Et puis comme on a écrit, on est aussi à disposition pour travailler en fonction de nos disponibilités, de nos moyens, sur des contenus spécifiques par rapport aux actions que vous pouvez souhaiter. On va parler, Benoît, peut-être un zoom sur les réseaux sociaux. Puis après, on fera un zoom sur une expérience d'organisation d'un ancrage local sur un territoire et qui nous semble mériter d'être partagé et qu'on vous mettra à disposition après. Les réseaux, la bonne utilisation. En toute humilité, il y a sûrement des gens plus compétents que moi, mais bon, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui se colle. Voilà, donc c'est moi. Ah là, c'est partagé. C'est pas ça, en fait. Donc c'est encore après, réseaux sociaux. Encore. Voilà, les slides sont arrivés après. Non, c'était dedans. Donc c'est comment utiliser les réseaux sociaux, comment aller chercher la matière dont on parlait tout à l'heure, qui est à disposition dans le parti, sans y passer trop de temps, avec un maximum d'impact. On voit que dans un certain nombre de cas, des contenus sont créés. C'est pas grave. Moi, je l'ai. Voilà. On vous l'enverra de toute manière, comme on vous l'a dit. Donc, on fera une formation calage de réunion aussi. Alors, Twitter, donc, c'est un réseau social qui existe depuis 2006 et qui permet d'envoyer des messages instantanés qui s'appellent les tweets, ça vous connaissez par cœur. Ça s'appelle X maintenant. Mais on parle toujours de retweet, on ne parle pas de Rix. C'est pas trop adapté. Donc on continue de parler de Twitter par défaut au lieu de X. Donc j'ai mis au début les deux logos, vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois. Et par défaut, ça sera dans la formation Twitter. Donc il existe des comptes qui sont certifiés avec des petits oiseaux bleus, comme vous le savez. En fait, il y a un petit problème avec ça, c'est-à-dire que maintenant on peut acheter, on paye son abonnement et on est certifié. Donc il se trouve que les gens qui ont l'oiseau bleu sont plutôt des complotistes maintenant que des personnes lambda ou des gens qui étaient des personnalités et qui étaient reconnus. Et c'est un gage de qualité d'avoir l'oiseau bleu. Donc maintenant l'oiseau est devenu gris, donc tous nos officiels ont un petit oiseau gris, sur Twitter je parle. Et par contre, le compte avec oiseau bleu, il faut souvent s'en méfier maintenant. Donc je vous avais mis un exemple que vous verrez, donc Choupi Pompon par exemple, qui est un super compte, avec 187 abonnés et qui a un magnifique oiseau bleu. Donc voilà, donc il faut vous méfier de ça. C'est souvent des comptes un peu bizarres. Donc Twitter en quelques chiffres pour continuer, c'est quand même assez énorme. Et ça permet aussi d'avoir une vision assez globale de ce qui se passe dans la société en fonction des comptes qu'on va suivre. Et c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir un relais autre que celui de la presse. Très souvent, les personnes qui sont dans des partis modestes, comme le nôtre, n'ont pas accès à la presse locale. Par contre, par le biais de Twitter ou de Facebook, vous pouvez transmettre des messages. Donc c'est un petit peu l'idée de pouvoir s'adapter. Donc pour revenir aux chiffres, en avril 2023, on avait 373 millions d'utilisateurs sur Twitter dans le monde, donc ce qui est absolument énorme, avec 500 millions de tweets journaliers. 60% d'utilisateurs entre 25 et 49 ans et beaucoup de plus d'hommes, il y a 60% d'hommes en fait pour 40% de femmes sur Twitter. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors j'avais mis, alors c'est pas du tout ça toujours, mais bon, je vais me mettre là.
L'idée aujourd'hui, c'était de vous proposer un petit raccourci pour maîtriser au mieux l'outil, ce qui n'est pas mon cas. Non, je t'en remercie. Alors, donc c'est en 6 parties. La première partie, c'est rédiger une bonne bio. Vous voyez toujours pas? Non, il n'y a rien à faire. Donc c'est dommage, parce que c'était sympa. C'est la bio de notre secrétaire général, qui est très bien faite. Hein. C'est mon moment faillot, je suis désolé. Donc là, ça ne sert à rien, si vous ne la voyez pas. Il n'y a personne en haut qui peut mettre le document, slide. Slide BOB TDP. Voilà, donc tu descends. Tu descends. Encore. Voilà. Oui. Ça y est. Donc vous voyez le conte dont je vous parlais tout à l'heure avec son petit oiseau bleu. Donc, autre slide. Donc les chiffres, vous aurez tout ça. Et donc voilà les 6 trucs avec la bio du chef. Voilà. Donc l'idée est de pouvoir avoir une bio qui soit performante, c'est votre carte de visite. Donc la bio doit répondre à 3 questions. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous une personne à suivre? Et quels sont vos objectifs? Donc vous voyez, là c'est très clair, on a bien la photo de Guillaume, on voit qu'il est du 11e arrondissement, hein, c'est quand même très pertinent, et qu'il est à cœur de problème, mais aussi à Renaissance, il est bi-appartenant. Et qu'il est né à Neuvoud, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Moi, j'aurais conseillé de mettre aussi un petit hashtag, par exemple TDP, que je vous conseille de tous mettre, ce qui permettrait qu'on se repère aussi sur les réseaux, puisque c'est pas vraiment le cas jusqu'à présent. Beaucoup mettent TDP simplement, mais ça ne ressort pas. Si vous mettez hashtag TDP, enfin mot dièse TDP, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, vous allez ressortir à chaque fois qu'il y aura une recherche. Donc ça, c'est un truc qui peut être pas mal à faire. L'autre slide, s'il te plaît. Voilà. Alors ça, c'est la partie veille. Donc j'ai créé une boucle. Quand vous aurez le document, vous pourrez vous connecter directement. C'est une liste, en fait, vous allez vous abonner à cette liste et vous aurez tous les comptes qui me paraissent intéressants à suivre pour être efficient sur Twitter en tant que TDP. Donc il y a des comptes des ministres, ça c'est basique, gouvernement, quelques journalistes qui sont intéressants, plutôt de notre côté, parce que c'est mieux, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et également des personnes qui sont des militants, mais avec des comptes très sympas à suivre, à relayer. Et l'idée, c'est aussi sur la boucle d'organisation d'aujourd'hui, où on est tous, c'est que vous puissiez mettre aussi vos comptes Twitter, vos liens de comptes Twitter, pour qu'on soit sûr de tous se suivre entre nous. Parce que le principe du réseau, c'est d'être en réseau, d'avoir un maillage. Ça a l'air bête comme ça, mais ce n'est pas le cas actuellement. Les Insoumis ou le RN sont très très bons là-dedans. Justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir accès tout le temps à la presse, ils compensent par une énorme présence sur les réseaux, alors qui est discutable, mais ils sont très présents. Et ils se relaient massivement les messages, ce qui n'est pas notre cas, c'est un des problèmes dans la majorité. Je trouve, je suis un peu critique, mais je pense que c'est qu'on est perfectible. Alors, une des clés aussi, c'est d'être très régulier, c'est bien d'avoir un compte. J'ai repéré quelques comptes TDP que je nommerai pas, parce que je ne suis pas là pour faire la balance, mais qui n'ont pas posté depuis 2022. Donc ça ne sert à rien d'avoir un compte TDP si on ne poste pas depuis 2022. Autant laisser tomber. Donc il faut idéalement faire au moins un tweet par jour, une création de tweet, pas relayer des tweets, mais au moins un tweet par jour, personnel, et qu'on va relayer et mettre à notre patte. Ça, c'est très important. Donc la fonction reposte, justement, qu'on voyait tout à l'heure, est très importante. C'est-à-dire quand vous allez faire votre tweet, vous pouvez vous relayer. C'est-à-dire que vous faites votre tweet idéalement le matin, par exemple, qui est à 7h, qui est une bonne heure le matin ou 8h maximum, où tout le monde est sur son téléphone en prenant son petit-déj ou dans les transports en commun. Vous envoyez votre tweet. Vers midi, la pause déjeuner, c'est aussi assez profitable. Vous retweetez, en fait. Vous remettez en avant, donc par la fonction reposte. Et le soir, comme vous êtes très très têtu et que vous avez envie que votre tweet se voit, vous annulez votre poste et vous vous repostez à nouveau. Donc ce qui fait que vous allez avoir la visibilité sur un même tweet 3 fois dans la journée.
Et si vous êtes vraiment un pitbull, le lendemain matin, vous refaites la même action. Après, il faut arrêter parce que c'est le lendemain et que c'est bien de créer autre chose. Donc vous voyez, ça c'est des petits trucs tout bêtes, mais un tweet d'origine peut générer trois tweets et une grosse, grosse diffusion avec des heures. Par exemple, un tweet à 23h30, ça n'a aucun intérêt. Personne regarde quasiment, ou des gens comme moi qui sont insomniaques, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc les heures que je vous communiquais, plutôt le matin, entre midi et deux, et en fin d'après-midi, début de soirée, avant l'apéritif, vous faites votre petit tweet plutôt avant qu'après l'apéritif. C'est toujours mieux, ça évite les fautes d'orthographe. Alors là, on va très vite d'un coup. Je veux bien la 4, plutôt, celle d'avant, bien choisir ces types de tweets. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a trois types de tweets. Donc il y a un tiers de tweets originaux, c'est ce que je vous disais, le tweet quotidien. Vous avez un tiers de retweets, donc c'est les tweets que peuvent faire Xavier, Guillaume, le parti en général que vous allez retweeter. Et vous avez un tiers de tweets d'engagement, donc qui vont être des interactions que vous avez avec d'autres personnes. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut éviter de retweeter des liens d'autres réseaux, donc Instagram ou Facebook. C'est souvent pas lu, ça amène vers des choses improbables, c'est pas du tout efficace. Il vaut mieux recréer un poste et adapter vos postes. Adaptez vos postes en fonction du réseau. Non seulement en termes de visuel, un visuel qui est prévu pour Twitter n'est pas calé pour être sur Instagram. Vous allez avoir la moitié de la tête de la personne si vous avez une photo qui ne sera pas visible. Facebook, ce n'est pas la même clientèle que Twitter. Tout ça, on vous l'expliquera dans la formation qu'on a faite, qui est plus basique, on va dire, et moins comme ça, fun. Fun, je ne sais pas, mais on essaye. La slide 5, s'il te plaît. J'accélère. La fonction répondre ou pas aux followers. En fait, très souvent, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des trolls, donc des personnes de mauvaise intention, qui ont souvent des comptes avec un diplodocus et des comptes à numéros. Ça, c'est les insoumis. Ou les petites barres comme ça, ça, c'est des Extinction Rebellion. Ou un drapeau français avec le cœur, c'est soit un Vendéen, soit un gars du RN. Ça peut être les deux, j'en connais, mais pas forcément. Donc ça, attention à ce genre de comptes, ils vont venir vous pourrir votre message, et eux sont souvent très efficaces, et vous allez en avoir plein qui vont venir vous pourrir votre truc. Donc dès le départ, quand vous allez créer votre tweet, vous pouvez choisir, il y a une fonction qui permet de choisir qui va pouvoir répondre à ce tweet. Donc quand vous sentez que c'est un tweet un petit peu chaud, hot, vous allez pouvoir sélectionner et dire « je veux que ce soit que mes personnes qui me suivent qui répondent » ou « je laisse ouvert », mais à ce moment-là, vous allez pouvoir masquer, voire bloquer la personne qui répond. Trop souvent, moi je vois plein de tweets qui passent avec une bordée d'injures dessous, donc ce qui fait que le tweet d'origine n'a plus sa raison d'être, alors que vous auriez pu masquer, voire bloquer la personne qui vous nuit. Voilà, un petit truc tout con, mais qui marche bien. La sixième slide, c'est avoir globalement une bonne ligne de conduite, donc on évite de parler de religion. On fait de la politique, on est en République française, bon, hein, laïcité d'abord, donc on évite ce sujet, on évite d'incendier les opposants politiques, c'est pas correct, surtout si on a un tweet qui a le nom du parti, encore en perso si ça vous amuse, mais c'est pas très bon pour votre avenir politique, ça ressort toujours à un moment ou à un autre, j'en sais quelque chose. Et donc la correction, et essayer de faire des tweets qui soient positifs, c'est-à-dire qu'on va toujours amener un côté positif dans notre tweet. Évitez d'être dans ce que je disais, dans la haine et tout ça, parce qu'au bout d'un moment, même les gens qui sont à votre bord ne vont plus vous suivre, parce que c'est pas sympa. Quelqu'un qui vous parle toujours de choses négatives, vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est la même chose sur Twitter. Voilà en gros ce que je peux vous dire. J'ai un peu soif et j'arrête. Donc on vous a mis mon numéro pour ceux qui n'ont pas mon numéro, sinon je suis dispo sur Telegram, il y a marqué Hotline normalement, non, il n'y a pas, c'est pas grave, moi je l'ai, je le connais. Donc vous savez où me trouver, je serai dans le coin, venez me voir si vous avez des questions. Tout ce qu'on a fait avec Bruno va vous être transmis, sera accessible, on vous accompagnera, on est là pour ça, et c'est un plaisir. Voilà, je vous remercie, c'était un peu laborieux, mais on s'en sort. Pour compléter sur la partie numérique, et là c'est un message surtout vis-à-vis des délégués départementaux et régionaux, il peut être intéressant que vous identifiez dans vos militants un militant qui serait plutôt en charge de ce sujet-là et qui sera capable, sur la base de toutes les communications qu'on va pouvoir faire,
de pouvoir en garder la mémoire, de pouvoir les recenser et de pouvoir accompagner au plus près du terrain les différents besoins. Voilà, si vous le pouvez, avoir une personne qui, entre guillemets, comme on dit, qui se réveille le matin en pensant qu'à ça, ça peut être intéressant pour aider à structurer votre territoire et aider à structurer vos actions. Je crois que... Oui, c'est très très chronophage. Donc c'est pour ça, quitte à créer un compte, parce qu'à un moment on avait dit on crée des comptes partout. Donc on l'a fait, on a créé des comptes partout, mais peu de gens en fait ont la ressource pour s'en occuper, et c'est tellement chronophage que les comptes tombent en désuétude, donc c'est dommage, c'est contre-productif. Il vaut mieux avoir moins de comptes qui tournent bien que plein de comptes qui ne tournent pas. Enfin, c'est voilà. Un petit peu du bon sens. On peut être convaincu par l'intérêt de le faire, on peut avoir suivi la formation qui permet de le faire, et puis comme on a tous beaucoup de choses à faire, il y a un moment où quand on veut le faire, ben, on n'a plus l'information, la formation, le point d'entrée, etc. Donc avoir une personne qui dans vos zones est capable à tout moment de vous accompagner par rapport à ça, c'est essentiel par rapport à ce suivi. On va avoir le temps de parler de l'expérience, on n'aura pas le temps de parler de ça, mais de toute façon, comme disait Benoît, on va vous mettre tous à disposition et on va proposer des visios de formation pour vous accompagner là-dessus. C'était un bref balayage de quelques éléments clés de l'ancrage local. On démarre une histoire de formation avec ça, on va aller beaucoup plus loin. On ne pourra le faire que parce que vous allez aussi nous remonter vos expériences, vos réussites, ce que vous créez et comment ça fonctionne. Donc c'est le début d'un dialogue qu'on espère prospère entre nous tous, et on vous remercie beaucoup pour votre attention, même si c'était un peu par moment. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et à votre discours, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci Bruno et merci Benoît pour cette première séquence de formation qui est importante. Vous le savez, aujourd'hui, on est là pour faire du fond. Les réseaux sociaux sont heureusement ou malheureusement devenus fondamentaux. Et on le voit quand on essaye, avec l'équipe de bénévoles sur Twitter, de créer du contenu, ça nous ramène de la visibilité, donc des adhérents, donc des futurs camarades. Et c'est très important de se saisir de ces outils. Comme vous le savez, ça a peut-être été dit, mais l'extrême gauche, par exemple, la LFI, sont extrêmement puissants sur Twitter, et on le voit aujourd'hui, les journalistes reprennent aussi souvent les informations, les tweets qui fonctionnent, etc. Le but, c'est pas de devenir des cliqueurs et des personnes qui juste réagissent dans la négativité, mais aussi de proposer du fond sur les réseaux sociaux. On va poursuivre avec donc une présentation du projet de revue de territoire de progrès. Donc à la suite de la convention des progrès, où on avait eu toute cette séquence sur les grands thèmes et les grands sujets qui animent aujourd'hui la France et le monde. Jean-Marc Pasquet, notamment, et Florence de Massol ont travaillé tout l'été avec d'autres collaborateurs qu'elle citera sur un projet de revue qu'on présentera à la fin de l'année, en début d'année, qui représente une somme de travail et qui sera la colonne vertébrale programmatique de territoire de progrès, qui sera à la fois une combinaison de la conclusion de toutes les tables rondes qui ont lieu à la Convention des territoires, et aussi des travaux et des groupes de travail. Et je voudrais saluer vraiment tous les patrons de groupes de travail. Je vois Grégory qui est là, j'en vois d'autres, mais je voudrais qu'on les salue parce que c'est un travail énorme qui fait chaque jour sur la santé, sur les relations internationales, sur la défense, sur l'économie. C'est vraiment, les groupes sont mobilisés, c'est rare dans un parti, et c'est vraiment ce que disait Xavier tout à l'heure, fondamental qu'on travaille sur le fond. On l'avait dit, on souhaite être un parti qui soit dans l'apport de force, c'est Olivier qui le disait souvent et qui l'a dit lors de notre dernier congrès, on doit être en apport de force pour la majorité, et ça passe par ce travail de fond qui est effectué. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple de coordonner tout ça. On le fait, on avance. Vous pouvez compter sur nous pour aider les groupes de travail à avancer. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes chez les délégués nationaux. Voilà, on va continuer à faire vivre. C'est aussi notre marque de fabrique, de travailler sur le fond. Je crois que c'est notre identité. En tout cas, je vous remercie tous, parce que je sais que vous êtes beaucoup à travailler dans ces groupes de travail. C'est vraiment fondamental. Donc, je vous remercie encore une fois. Et du coup, je vais passer la parole à ma camarade Florence de Massol, qui, vous savez, a pris la suite de la délégation parisienne et qui s'est occupée de cette revue des progrès avec Jean-Marc Pasquet, notre délégué régional Île-de-France, qui arrive comme une star, qu'on accueille avec grand plaisir. Voilà, je leur passe la parole pour une trentaine de minutes. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. J'attends que Jean-Marc ait fait les petits bisous. Voilà. Bonjour. Et on va vous présenter le travail qu'on a fait cet été sur cette revue qui rassemble à la fois
cette revue, oh oui, c'est beaucoup mieux comme ça, cette revue qui rassemble à la fois les travaux donc, des groupes de travail dont Guillaume vient de nous parler, mais aussi tous les travaux qui ont été faits lors de la dernière Convention des progrès. Je voulais juste ajouter un petit mot à ma présentation. C'est vrai que je suis déléguée parisienne, mais c'est avec Patrick Olson. Patrick qui est quelque part par là. On peut... Ah, le voilà. On peut applaudir. Bonjour. Bien, mais écoutez, il n'y a pas de partie sans vie intellectuelle, sans production intellectuelle. Donc, à Territoire de Progrès, on nous reconnaît un peu à cette patte-là, Renaissance notamment, les camarades, les compagnons, les collègues, les marcheurs disent bah, à Territoire de Progrès, il y a quelque chose qui les différencie de ce point de vue. Et depuis nos conventions du début jusqu'à la précédente, au printemps dernier, où vous avez abordé, nous avons abordé beaucoup de thématiques extrêmement diversifiées, de l'intelligence artificielle jusqu'à la question de l'eau, problématiques sociales du logement qui vont être encore réabordées aujourd'hui. Et ce que nous nous sommes dit avec le mouvement, c'est de faire de ce maelstrom, de cette production éclairée par beaucoup d'intervenants, Raphaël Glucksmann, je ne veux pas... Pardon, Antoven, je confonds, excusez-moi, vous voyez, j'ai un petit... Monsieur Antoven, voilà. Et donc, on s'est dit avec Florent, ça serait bien qu'on produise un petit livret objet qui soit une sorte d'objet cadeau que nous, les militants, nous pourrions offrir à un nouveau militant, à un collègue de travail, pour expliquer ce qu'est Territoire de Progrès. Aussi avec Florence et puis tous ceux et celles qui ont produit les actes, hein, je pense à Théo notamment, qui a beaucoup travaillé sur cette matière brute qu'il nous a donnée. On a essayé d'enrichir ces verbatims, ces textes de la Convention, de data, de données, de contre-textes, d'extraits de rapports sur la question de l'eau, de l'intelligence artificielle qui nous fait un peu peur, mais qui nous a... Les échanges de la Convention nous ont quelque peu rassurés, qu'il y a des perspectives progressistes aussi au travers de ce nouveau outil. Et puis on a mélangé tout ça avec aussi des interventions de tiers, et je pense notamment à Arnaud Lacheret qui nous a accordé un grand entretien. Vous savez qu'Arnaud Lacheret est ce docteur en droit qui vit dans le monde musulman mais qui est revenu en France il y a peu et qui a fait un livre très très écouté en ce moment sur les intégrés. Et donc il a fait un livre un peu à contre-courant sur ce qui fait qu'une immigration fonctionne. Et donc nous l'avons rencontré tout récemment aussi à Paris, avec la délégation parisienne notamment, avec les militants. Il nous a accordé un grand entretien, et vous verrez dans cette revue le résultat de cet échange. Arnaud nous invite à réfléchir sur la réflexion auprès des filles, notamment sur lequel il tourne beaucoup de ses entretiens, sur ce qui fait que au sein des familles immigrées qui connaissent la réussite, elles sont nombreuses, notamment, il indique que notamment les familles marocaines, tunisiennes, après seulement une génération, ont les mêmes taux de réussite dans l'enseignement supérieur que les autochtones. Donc il faut aussi regarder les trains qui arrivent à l'heure. Donc vous verrez tout ça avec beaucoup d'autres choses dans ce projet de revue. Et puis il y a dans la revue ben, vous, c'est-à-dire les travaux des groupes de travail. On a quand même été très... non pas surpris parce qu'on se connaît, mais c'est vraiment très riche et très dense. Hein. Donc avec Florence, on a réuni à peu près 189 progrès. 189 progrès. Qui sont classés par thème, évidemment.
par antenne. Donc, je sais que Bruno Olivier en a refait un cahier. Et ce cahier, alors c'est une des raisons pour lesquelles l'édition de la revue est quelque peu différée, doit quand même être validée par notre Conseil national. Donc, il y a beaucoup de matière, le Conseil national va se l'approprier, puis certainement qu'en début d'année prochaine, on va se retrouver pour mettre sous presse cette revue. On s'est dit que ça pourrait ressembler, vous savez, peut-être comme la revue Esprit, vous voyez, un petit rectangle comme ça, très, très identifiant. Elle sera importante, je pense, 250, 300 pages, peut-être qu'elle va s'agrémenter encore d'éléments nouveaux d'ici là. Oui, ce dont je voulais vous parler, c'était un petit peu aussi la méthode qu'on a employée pour faire ce travail. Quand on a des actes qui proviennent de gens qui parlent, il faut traduire ça en langage écrit. Et c'est un travail qui est vraiment intéressant parce que c'est comme une sorte de traduction, comme si on passait d'une langue à l'autre, tout en restant évidemment dans le sein du français. Et ça permet aussi de rentrer dans le raisonnement de ceux qui ont participé à ces ateliers. Ça permet aussi de découvrir beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris en lisant toutes ces pages d'intervention. Et puis, ça permet aussi de se faire une sorte d'idée un petit peu globale de ce que ça veut dire le progressisme pour territoire de progrès. Et c'est passionnant. Voilà, donc quand nous aurons cette revue, moi je vous invite vraiment à vous plonger dedans. Bien évidemment, les gens qui sont interrogés, les gens qui participent, qui l'enrichissent, ne sont pas tous des militants et des militantes de territoire de progrès. Toutes leurs idées ne sont peut-être pas exactement les nôtres. Nous n'allons peut-être pas décider de porter toutes les 189 propositions des groupes de travail. Mais c'est justement cette diversité qui fait l'intérêt de ce travail. C'est de voir à un instant T, un petit peu, une sorte de photographie de ce que sont nos préoccupations, de ce que sont nos propositions, nos solutions, et donc aussi de ce qu'on perçoit comme difficulté dans notre société. Donc je pense que c'est un travail qui est très intéressant à faire peut-être une fois tous les deux ans, parce qu'on verra justement l'évolution, et je vous apprends rien en vous disant que le monde change vite en ce moment. Alors on espère que le National aura quelques sous pour financer cette production. Voilà, je lance un appel de la tribune. Je pense que, et nous pensons que c'est un objet utile qui continuera à nous différencier, qui vient en complément de nos visios, de ce que vous et nous faisons sur le terrain, en rencontres militantes, en rencontres d'experts. On pense aussi que cette revue a la vocation à être régionalisée. Donc il faut vraiment, au-delà des événements nationaux, qu'il y ait des cahiers régionaux ou sur la base des rencontres régionales avec les experts dans les territoires, cela puisse nourrir cette revue. Voilà, donc on espère la voir peut-être un jour sur les marchands de journaux, qui sait, Florence, soyons fous. Ce que je vais faire, je vais simplement vous dire les têtes de chapitre, juste pour vous donner envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, on avait une première partie sur « La pauvreté est-elle une fatalité ?» avec plusieurs intervenants passionnants, dont la directrice du Secours Populaire, voilà, qui nous a fait une sorte d'état des lieux. Oui, qui nous a fait une sorte d'état des lieux à la fois inquiétant, mais aussi plein de propositions et de solutions. On a ensuite parlé d'eau. Allons-nous manquer d'eau ? Ça recoupe certaines propositions du groupe de travail Transition écologique, d'ailleurs, avec quelque chose, moi, qui m'a vraiment interpellée, c'est que la première guerre dont nous ayons trace, grâce aux archéologues et aux études des historiens, c'est une guerre qui a été entamée entre deux cités sumériennes,
parce qu'elles se disputaient leurs ressources en eau. Donc c'est pour vous faire voir, pour vous montrer à quel point l'eau est une ressource fondamentale pour l'humanité. Et pendant un petit peu trop longtemps, on l'a considérée comme venant de soi, d'avoir de l'eau. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on modifie notre approche de cette ressource aussi importante comme l'air ou l'espace au sens géographique du terme. Ensuite, nous avions un dossier sur l'intelligence artificielle. Jean-Marc en a dit quelques mots, effectivement, des outils formidables. Et quelque chose qui m'a aussi frappé, c'est qu'au lieu de dire l'intelligence artificielle, c'est bien plus important et bien plus réaliste de dire les intelligences artificielles. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui est au-dessus de nous, là, en train de vouloir prendre la place de l'humanité, mais il y a des intelligences artificielles, des outils au service de la santé, au service des transports, etc., etc. Vous verrez, il y a quand même des choses étonnantes qu'on a découvertes, y compris en prolongeant le débat. On est allé creuser, on est allé chercher des données. Aujourd'hui, ChatGPT, donc vous avez peut-être essayé, est aussi performant que 60% des étudiants en licence de sciences. Hein, et donc tout ça va très vite, mois après mois, même ces données sont déjà obsolètes depuis cet été. Et puis nous avons eu une partie absolument passionnante sur la démocratie est-elle soluble dans l'égoïsme, avec ce double tentation, cette double tentation de l'efficacité, est-ce que quand on est vraiment démocrate, on est assez efficace, mais aussi de la liberté individuelle, quand la liberté individuelle prend le pas sur l'intérêt général, qu'en est-il de la démocratie, avec les réseaux sociaux qui accentuent encore ces questionnements, cette proportion des gens à se prendre en photo sans arrêt, parce qu'il n'y a qu'eux qui comptent et qui veulent mettre en scène dans la société. Des réflexions super intéressantes de Raphaël Antoven là-dessus, dont on comprend en le lisant qu'il a vraiment réfléchi un peu sur la question. Voilà, M. Antoven qui nous avait posé la question, la démocratie doit peut-être se dissoudre dans l'égoïsme et appeler de ses voeux à ce qu'un mouvement comme le nôtre puisse creuser un sillon progressiste là où on le voit moins. Donc il y aura 7 inserts programmatiques, donc une fois que ça sera passé au tri du Conseil national, un grand entretien sur l'immigration avec Arnaud Lacheret, puis je vois qu'il y a Arlette aussi, Zyberg, une de nos adhérentes avec qui on avait fait cet événement sur l'Iran au printemps avec des intervenants très divers, hein. Il y avait des sportifs, des gens de la culture, Didier Djadi aussi, un sociologue. Une artiste peintre, voilà, ça avait été très très fort, on avait fait ça au siège de Renaissance, et donc Arlette et Didier Djadi nous proposent une tribune assez pédagogique d'ailleurs sur les événements en cours en Iran et quelques perspectives sur les forces en présence, et on n'imaginait pas évidemment que l'actualité la quotidienne de ce jour nous mettrait à ce point, et hélas dans l'actualité avec c'est une des parties du problème ce qui se passe en Iran. Et puis les 189 progrès, 189 propositions qu'on a classées en différents thèmes. Alors ces thèmes et ce classement ne regroupent pas totalement l'intitulé des groupes de travail, puisqu'il y avait des groupes de travail qui avaient fait, 80 propositions et d'autres qui en avaient fait 3. Et voilà, c'était pas très gentil pour eux de mettre ceux qui en avaient fait 3 à côté de ceux qui en avaient fait 80. Donc on a regroupé un peu les choses. Il y a toutes les questions sociétales et l'égalité, avec un focus sur émanciper grâce à la culture. Ensuite, un chapitre sur la vie économique et sociale, avec un focus sur la transformation du rapport au travail en lien avec le développement de l'intelligence artificielle. Il y a même des propositions sur le sport. Oui. Donc il y a un groupe sport qui a travaillé. Donc on a très peu élagué en fait. Hein. On a harmonisé la forme surtout. Oui. L'égalité des chances, l'éducation, la jeunesse, le sport,
tout le blog que tu animes aussi, Florence, voilà, sur la transition. Transition écologique énergétique avec un focus sur l'eau, puisque en rapport avec la partie précédente de la revue. La réforme de l'État et des institutions. Voilà, avec une expertise reconnue de nos militants sur les questions territoriales, sur l'articulation entre les différentes strates des collectivités. Vous faites des propositions fortes de simplification. La santé et les solidarités, avec un focus sur le grand âge et l'autonomie. On a vraiment un groupe de travail qui a beaucoup produit sur ces questions-là, avec des choses vraiment intéressantes. L'Europe et la défense, on a même un groupe qui a fait des propositions de nature sur la politique industrielle pour réarmer d'une certaine manière notre politique de défense et l'adosser à un outil de production nationale. Et puis le dernier, peut-être le plus important, le pacte républicain, la cohésion des territoires, la justice et la sécurité. Au cœur de l'actualité, on peut le noter, avec là aussi des propositions qui sont à la fois progressistes et réalistes, ce qui est quand même une des caractéristiques de Territoires de Progrès. Voilà, on espère que l'ensemble vous plaira. Il ne reste plus qu'à maqueter tout ça. On va essayer de faire un objet beau qu'on a envie d'offrir, de partager entre militants d'autres formations. On espère aussi et surtout que ça sera utile. Voilà, on voulait vous remercier surtout parce que c'est vous qui l'avez fait, ce livret. Nous, on a fait qu'avec France que le mettre en forme. Voilà, oui, et ce n'est qu'une étape. Les groupes de travail vont continuer à réfléchir. Il y a une proposition qui leur a été faite de mettre en avant deux de leurs projets, de leurs progrès. Et je pense que c'est aussi une façon de continuer à élaborer la politique du futur, celle que Territoires de Progrès va porter. Donc c'est pas tout à fait terminé, donc vous êtes en train encore de finaliser ces deux propositions phares par groupe, et donc on va substituer probablement ce cahier des 189 propositions par un nouveau cahier. On va voir, et c'est le Conseil national qui va nous dire ça. Une très bonne journée, merci. Mitterrand a été sanctionné en 84, Jacques Chirac en 2004, François Hollande en 2014, et c'était vraiment une sorte de campagne où on parlait de l'Europe, mais surtout on importait, si je puis dire, des préoccupations françaises. Ça sera encore le cas, quand j'entends Jordan Bardella qui dit que par ce vote c'est sanctionner le pouvoir en place, etc. Mais de plus en plus, comme je vous le disais, même si l'Europe, on l'a vu, on peut malheureusement étant queue de peloton des préoccupations des Français, la question européenne, désormais, s'invite dans la vie quotidienne des Français. Il y avait un chiffre de mon confrère Cantard dans l'Eurobaromètre, c'est une enquête qui est faite tous les 6 mois dans tous les pays européens, où il y avait 2/3 des Français qui considéraient que ce que faisait l'Union européenne avait un impact pour sa vie quotidienne. Le chiffre m'a vraiment étonné, il n'a jamais été aussi haut. Parce que les Français ont vu l'Europe agir, bien ou mal, c'est pas mal de dire, mais sur le Covid, agir sur la question de défense face à l'Ukraine. On attend de l'Europe des choses sur la question des migrations, avec un terroriste quelconque qui est passé par plusieurs pays en matière européen avant de venir dans tel ou tel pays. Donc je pense que les questions européennes vont avoir sans doute un poids plus important que traditionnellement. Et on l'avait déjà vu en 2019, où notre question historique sur « avez-vous voté pour des considérations européennes ou pour des considérations de politique intérieure » ont été quasiment sur du 50-50, ce qui n'était jamais arrivé. Ça sera à suivre pour 2024, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Concernant l'aspect pessimisme ou optimisme des Français, je sais qu'il existe un sondage, mais je ne sais plus quelle est son origine exacte et son statut, qui analyse depuis pas mal d'années le fait d'être optimiste ou pas pour l'avenir de ses enfants, qui existe au niveau international, où il me semble que la France est un des pays les plus pessimistes des pays développés. Quelle est l'évolution en fait de la France de ce point de vue-là par rapport au niveau international, par rapport aux autres pays et par rapport à l'Union européenne, des pays de l'Union européenne en général ?
Est-ce que ce différentiel, est-ce qu'il est connu? Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais je l'ai peut-être mal expliqué en fait. Tout à l'heure. Vous avez bien fait de rappeler qu'il y a deux niveaux. Les questions d'optimisme et pessimisme de manière un peu en fait, globale, c'est en fait, par exemple l'indicateur de bonheur que l'IFOP pose depuis les années 50, où la France ne se classe pas plus mal qu'un autre pays européen. Par contre, dès qu'on est sûr, en pensant à votre avenir et celui de vos enfants, la question qu'on a posée là, et on l'a posée pour, pendant 20-25 ans pour Ouest France, maintenant on la pose pour LCI et Sud Radio, où, vous le voyez, le chiffre est particulièrement bas, il y a une autre question où la France se classe, alors je n'ai pas tous les chiffres, mais plutôt mal par rapport aux autres pays, c'est considérez-vous que vos enfants vivront mieux que vous quand ils auront votre âge, où là c'est absolument, et ça a commencé depuis les années 2000, hein, où on est en gros un petit quart, un petit tiers, ils vivront mieux, et le reste, ils vivront moins bien. Donc c'est ce pessimisme de projection qui explique aussi, comme je vous le disais, le surinvestissement des Français sur l'école, l'éducation, et jamais la question scolaire a été aussi forte dans le discours des Français. Donc sur cette question du pessimisme de projection, je vous invite à regarder, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, l'Eurobaromètre, l'enquête du mois de juin, c'est sur le site de mes amis de Kantar Public, qui est le nouveau nom de la Sofres, où effectivement la France est plutôt mal classée par rapport aux autres pays. Mais comme je vous le disais, ce qui m'avait frappé dans cette enquête au mois de juin, c'est la cote de popularité, si je puis dire, de la Commission et de l'Union européenne atteignait quasiment 40% en France, on est toujours dans les moins bon pays par rapport aux autres, mais on n'avait jamais eu un score pareil, parce que pour la première fois, même si c'est assez minoritaire, et c'était quand même un élément, un levier pour la liste, qui sera la liste Renaissance, Modem, Horizon, Territoire de Progrès, qui peut montrer que l'Europe change d'avis, ça commence à imprégner une partie de la population. Oui, je voudrais revenir sur l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, et mettre en parallèle le montant de l'épargne en France qui atteint un record, encore cité ce matin. Est-ce qu'on sait si ce sont les mêmes personnes qui épargnent et qui se plaignent de la baisse du pouvoir d'achat ou pas? Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'il y a ce phénomène qui peut paraître contradictoire. Moi, je suis frappé de voir, comme je vous l'ai dit peut-être un peu vite, à quel point l'inflation bouleverse les repères en France et, insécurise. Moi, j'ai retrouvé une campagne, peut-être que les plus anciens comme moi s'en souviennent, des années 84-85, c'était Laurent Fabius, une campagne de communication, c'est Laurent Fabius qui était Premier ministre, et on voyait sur un plan d'eau une planche à voile aux couleurs de la France qui dépassait une planche à voile anglaise, allemande, italienne, espagnole, et le slogan de la campagne, c'était 5% d'inflation, on est dans la course. Et maintenant, c'est complètement inaudible, parce que cette époque, des Français avaient connu une inflation sous les années Giscard-Barre tellement fort qu'il y avait le sentiment d'un mieux. Là, ça insécurise terriblement. Ça peut pousser de manière contre-intuitive à épargner, même si il y a quand même des catégories en France qui nous déclarent, c'est toujours l'intérêt, mais la faiblesse ou la fragilité d'une enquête, on ne repose que sur du déclaratif. Donc peut-être que les gens nous mentent, mais je n'y crois pas vraiment. On a des catégories de population qui, d'une année à l'autre, épargnent de moins en moins. Je pense par exemple à un segment générationnel qui sont les 50-64 ans, c'est-à-dire la génération qui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez nos enquêtes, vote le plus pour le Rassemblement national. Et quand on regarde même le vote Mélenchon et le vote Le Pen, on est sur une majorité. Parce que les 50-64 ans, c'est le segment qui va être concerné en premier par la réforme des retraites, qui, comme vous le savez, a été très impopulaire dans le pays. C'est la catégorie qui, doucement, plus ou moins fortement, a des risques d'être virée des entreprises. Il y a le problème de l'emploi des seniors, même si ça s'est amélioré. Et effectivement, je vous retrouverai le chiffre, mais entre 2010 et 2022, c'est une enquête pour la Fondapol, leur capacité d'épargne a perdu 15 points. Et en plus, c'est une génération charnière qui aide ses enfants qui galèrent et qui sont parfois aidants et aident leurs parents qui sont en situation de dépendance. Tout le monde connaît des cas dans son entourage plus ou moins proche. Bonjour, merci tout d'abord pour la qualité de vos sondages et les informations apportées qui nous sont très précieuses.
J'avais une question concernant la situation internationale. Donc, vous avez cité pas mal de chiffres qui, quelque part, me rassurent. Par exemple, 89% considèrent que les attaques menées par le Hamas en Israël depuis le 7 octobre constituent un crime contre l'humanité, plus les autres pourcentages aussi qui me rassurent sur la société française et qui sont un paradoxe par rapport à ce que j'ai pu voir comme manifestation à Paris et dans les grandes villes en soutien au peuple palestinien et non pas au Hamas, je l'espère. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, comme certains Français, enfin il y en a une grande majorité, 82% qui pensent que le conflit israélo... Hamas, moi je dis, a une répercussion sur la société française. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette situation, avec tous les enjeux et les risques d'escalade au Liban et ailleurs, au Moyen-Orient et peut-être plus, vont véritablement impacter la société française, mais aussi les électeurs et les futures élections européennes et bien sûr les élections présidentielles. Merci, monsieur. Pas une question facile, mais non, mais elle a le mérite d'être posée. C'est vrai que dans ce sondage IFOP pour le CRIF qui a été publié dans le Figaro, il y a deux chiffres qui m'ont particulièrement frappé. Les 82% qui considèrent que ce conflit qui se passe à plusieurs heures d'avion, qui n'est pas près, mais qui a pour des dimensions aussi de présence d'une communauté juive, de Français de confession musulmane en France, semble, et c'est dommage, mais semble importer. Donc ce conflit, vous l'avez rappelé, aurait des répercussions importantes, mais il y a aussi un autre chiffre qui a été moins mis en avant, qui montre aussi ce qui s'est passé après le 7 octobre, et un choc émotionnel dans la population française, plus ou moins intéressée, plus ou moins différente à ce long conflit israélo-palestinien, israélo-Hamas, c'est que 72% considéraient que les actes commis par le Hamas pourraient se produire un jour en France. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, je pense, et sur le terrain, on vous l'a dit, ça a réactivé le traumatisme de 2015-2016. Qu'est-ce que c'est que le drame de la rave party à la sortie dans le désert israélien ? C'est tout simplement un Bataclan du 13 novembre à ciel ouvert. Et donc je pense que ça crée une émotion très forte. Alors, quand vous me dites « vos chiffres me rassurent », j'ai envie de dire « c'est la fonction d'une enquête d'opinion ». Je le répète, ce n'est pas la réalité, ce que je vous ai dit. C'est une perception du réel telle que déclarée par un échantillon de Français. Donc c'est à prendre avec une certaine prudence, mais je pense que c'est infiniment plus fiable qu'une manif, même si manifester c'est tout à fait, c'est un droit et c'est même un devoir pour ceux qui le souhaitent, c'est infiniment plus fiable que Twitter, X ou je sais pas quoi, où quand vous voyez à Twitter, vous avez l'impression que la France est à feu et à sang, que l'homme politique préféré des Français, c'est Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. On n'est pas sur cette logique de mobilisation, c'est ce que je dis en fait à des élus, un sondage c'est une sorte d'objectivation d'une perception du réel. Et c'est vrai, sur le conflit israélo-palestinien, on a des Français qui sont aussi, quand on leur demande s'ils ont de la sympathie ou de l'antipathie pour Israël ou l'autorité palestinienne, ils sont sur une majorité sur ni sympathie ni antipathie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'indifférence, même si ça les concerne, ils le disent, et aussi une sorte de désarroi face à un conflit qui n'en finit pas de finir. En septembre, c'était les 30 ans des accords de Washington entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc on est aussi sur le sentiment de désarroi face à un conflit qui n'en finit pas. Mais vous avez raison de rappeler ce chiffre, les 82%, c'est très fort. Le fait qu'on pense que c'est un conflit qui a des répercussions aujourd'hui en France. Alors, l'impact sur les Européennes, je ne peux pas vous en parler, mais si on prend un autre conflit international, ce qui s'est passé en Ukraine depuis février 2022 a eu un impact sur le scrutin présidentiel. On l'a vu dans les motivations de vote, et notamment l'effet drapeau dont a bénéficié le président candidat. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas une sorte de contradiction et comment on peut l'appréhender, si elle existe pour vous, entre ces 82% de personnes qui sont quand même très inquiètes par la situation et les conséquences qu'il peut y avoir de la situation de conflit au Proche-Orient, et les 21% de personnes qui pensent, c'est pas beaucoup, qui pensent que l'Europe est concernée par
est, enfin je dis concerné, oui, se sente concerné par l'Europe, on va dire. Ce qui est quand même très inquiétant, les 21%, on est à quelques mois des Européennes. Oui. Alors, merci pour votre question. Je vais préciser, là sur le tableau, j'ai mis en avant l'item de réponse qui est tout à fait prioritaire. Mais la question qui a été posée aux Français sur tous les thèmes dont on a parlé, c'était tout à fait prioritaire, important, sans plus, et secondaire. Donc, sur le tout à fait prioritaire, effectivement, l'Europe arrive à un niveau plutôt bas. Mais la part des Français considérant que l'Europe est un enjeu secondaire est quand même maintenant faible et minoritaire dans le pays. Donc oui, on peut être concerné par la situation internationale. Oui, on peut dire que l'Europe a un rôle à jouer, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, mais pour autant, la question de l'Union européenne pèse moins en termes de priorité absolue que, on en parlait, des choses qui touchent son quotidien et sa vie quotidienne, pour ne pas dire sa vie intime, c'est-à-dire la santé, la sécurité, l'éducation de ses enfants et ce couple, pouvoir d'achat, inflation. Donc c'est pas en fait contradictoire, c'est qu'on n'est pas sur des dimensions équivalentes. Ce qui n'empêche pas que la tendance que je vois quand même, c'est que les discours eurosceptiques se sont effondrés. Hein. En 2016, j'ai fait une enquête sur est-ce que après le Brexit anglais, il faudrait un Frexit, et je dois avoir 40% de oui, c'est quand même beaucoup. J'ai reposé cette question en 2022, on est à peine à 10-12%. Les Français ont vu ce qui se passait en Grande-Bretagne, qui, sans être un spécialiste de l'économie, n'est pas particulièrement florissante depuis qu'elle a quitté l'Union européenne. Donc, et même, comme je vous le disais, excepté Nicolas Dupont-Aignan ou Florent Philippot, qui sont très très minoritaires et très faibles électoralement, même le Rassemblement national, on ne peut pas dire que le discours très très anti-européen qu'ils avaient par exemple lors des européennes de 2014 ou 2019 soit aussi intense, il s'est même particulièrement réduit. 2017, Marine Le Pen parle de la fin de l'euro et du retour en franc. Est-ce qu'elle en a parlé en 2022? Est-ce qu'elle en parle maintenant? Moi j'ai le bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour ces éléments d'information très structurants pour le coup. Ma question est sur les territoires, sur la dynamique des territoires et des progrès du coup. On voit bien qu'il y a une réindustrialisation, si je comprends bien votre étude, et qu'elle est bien perçue, donc en perception, comme un élément positif. Ma question est de savoir si votre étude va jusqu'à la comparaison de cet effet positif entre territoires. J'ai en mémoire un autre pays comme l'Espagne, donc l'Europe, qui s'est construit ou s'est modernisé sur une dynamique de spirale de croissance des territoires. La concurrence ou la compétition d'un territoire amenant en fait les territoires à monter en compétence et en concurrence et du coup à monter le pays. Je voulais savoir si votre étude, si les territoires se regardaient les uns par rapport aux autres, est-ce que c'était perceptible et s'il y avait une spirale positive? Alors, je ne peux pas vous répondre de manière tout à fait directe, mais quand même quelques éléments. Oui, ce phénomène de réindustrialisation est très bien perçu par le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le premier confinement, il y a eu ce juin 40 sanitaire, si je puis dire, où les Français ont vu qu'on ne pouvait pas faire de masque, puis il n'y avait plus, et je crois que ce n'est plus le cas maintenant, une seule usine en France qui fabriquait du paracétamol, c'est-à-dire du doliprane, du dafalgan. Ça a été un vrai choc. Ça a aussi été facilité par l'attrait pour le Made in France qui n'a jamais été aussi fort. Mais bon, je ne peux pas regarder territoire par territoire, sauf un, dans la carte que je vous ai montrée qui date de 2015, on a le Nord, comme, je n'ai plus de chiffres, mais comme un territoire où on est à 80% à dire qu'on est en retard économiquement. Je peux vous dire, parce que ça a été publié à plusieurs reprises, l'IFOP travaille avec la région Hauts-de-France, donc avec Xavier Bertrand, et on pose des questions sur le sentiment de la situation en matière économique, chômage, industrie, etc. Ben, les choses se sont très fortement améliorées. Il y a le sentiment, par exemple, dans ce territoire, que la spirale du déclin
et particulièrement enrayée. Maintenant, voilà, sur les autres territoires, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que très clairement, même s'il y a toujours des effets NIMBY, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire une industrie dans son jardin à quelques mètres de chez soi, c'est non, mais je dirais quand même que le Covid, de ce point de vue-là, a eu un effet de révélation, de prise de conscience, et a quand même fait accélérer cette attente de souveraineté, de protectionnisme, il faut le dire, et de Made in France et de retour de nos savoir-faire. C'était la principale attente dans une enquête faite pour l'Expansion et Europe 1 au lendemain du premier confinement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays reparte de nouveau? Ce qui arrivait en tête, c'était, bon, bien sûr, la question de santé, mais également réindustrialiser. Je vais prendre la parole du coup. Merci. En tous les cas, je voulais vous remercier pour la qualité vraiment de votre intervention. Merci. Vraiment. Et est-ce qu'on aura le document? J'aimerais bien l'avoir, si on peut le récupérer. Moi, en fait, il y a deux chiffres qui m'ont interpellée. Alors, bien évidemment, tout était intéressant, mais il y a deux chiffres qui m'ont interpellée. C'est 86% des Français pensent, ou l'échantillon de Français, selon l'étude, pensent que la justice est laxiste. Je suis à peu près d'accord avec ça. Je vais vous le dire honnêtement, on est là pour se dire les choses. Voilà. Et ensuite, il y avait 50% des Français sont favorables à la remise en place de la peine de mort. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ces sujets parce que c'est important. Alors, on voit effectivement, là, j'en ai parlé avec mon voisin, effectivement, les prisons manquent de place. Déjà, il faudrait faire une distinction entre les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. Peut-on mettre tout le monde en prison ? Je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait travailler en tant que parti politique. Et puis, il faut s'interroger sur... effectivement, moi, par exemple, je suis investie depuis 20 ans sur la question de la pédocriminalité, de la maltraitance sur les enfants, etc. Et en fait, par exemple, là, pour vous citer, hein, quand on dit 86% des Français ou des échantillons de Français dans cette étude pensent que la justice est laxiste, un juge pour enfants... Sa femme, juge des affaires familiales, mettait leur fille de 8-9 ans sur des réseaux pédocriminels pour la prostituer. Ils ont eu comme... mais il faut en parler, je pense qu'il faut être honnête sur ces questions-là. Ils ont eu un bracelet électronique et puis ils sont retournés gentiment à la maison. Ils ont eu du sursis. Voilà. Donc 86% des Français pensent que la justice est laxiste. Oui, un grand oui. Et à un moment donné, il faut faire quelque chose pour ça. Parce qu'effectivement, là, on est en train de creuser un boulevard, un carrefour, un boulevard, une avenue, à tout ce qu'on veut, aux extrêmes et aux RN. Si on ne prend pas la mesure de ce sujet, 80% par exemple des viols sont correctionnalisés, 0,01% des crimes ou des viols sont, passent en justice. Et à un moment donné, oui, on est là pour parler de politique, on est là pour parler des prochaines élections. Et si on ne fait pas attention à ces choses-là, je m'adresse également à toutes les personnes qui sont... dans les sphères, dans les hautes sphères de notre parti, il faut vraiment se saisir de ça. Parce que là, vraiment, le RN, il a de bonnes chances pour les prochaines européennes, pour les prochaines élections, et vraiment, il faut être vigilant là-dessus, sincèrement. Non, j'entends votre remarque. Alors déjà, votre première petite remarque. Oui, j'ai présenté que des données publiées par l'IFOP, donc le document a été envoyé à mon ami Guillaume Poitou, donc il pourra vous le faire passer sans aucun problème. Moi, j'attends ce que vous dites. C'est vrai que le... C'est des questions qu'on pose depuis très... Oui ? Alors ? Oui ? Alors, justement, je vais vous répondre sur deux points. Alors, Alors, le rétablissement de la peine de mort. Quand le 16 mars 81, oui, je remonte loin, François Mitterrand, dans l'émission Cartes sur table, est interrogé par Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel et... certains pensent qu'il avait été piégé, il dit « il n'y aura pas d'exécution, je suis contre la peine de mort ». Il y a, à ce moment-là, deux tiers des Français favorables au maintien, à l'époque, de la peine de mort. Depuis l'abolition, on est maintenant sur une personne sur deux. Alors, je vais quand même être extrêmement prudent et même assez critique vis-à-vis de ce que je vous ai présenté. Dans le sens où, n'oublions pas qu'un sondage fermé, le sondeur, le commanditaire, propose des questions... à un échantillon de Français. Et j'ai en tête la critique du sociologue Pierre Bourdieu qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas », qui est un petit texte que je vous encourage à lire, qui est beaucoup plus structuré que ce que peuvent dire certains perroquets anti-sondages qui ne sont pas allés au-delà de son texte. Parfois, il y a des sondages où on propose à des Français des thématiques, des questions qui ne les intéressent pas,
qui ne les concerne pas et qui n'aurait pas été amené à penser. Et c'est vrai, je suis frappé de voir que depuis maintenant une vingtaine d'années, même après des faits divers terribles, la question du rétablissement de la peine de mort n'émerge quasiment plus, je dis bien quasiment plus, dans le discours des Français. La dernière fois, et j'ai des données IFOP très précises, où après un fait divers, après une affaire affreuse, on a parlé du rétablissement de la peine de mort, c'était une affaire dans un festival de Dunkerque, dans un carnaval de Dunkerque, où un repris de justice avait assassiné quatre jeunes filles. Même après l'affaire Lola, dans nos enquêtes, il y a eu une émotion terrible, mais ce n'est pas sorti. Maintenant, là où je vous rejoins, et ce que vous dites est en lien avec ce que disent beaucoup de Français, il y a de plus en plus une double attente vis-à-vis de la justice, sanctionner les coupables, et c'est la première mission de la justice depuis 2002, comme par hasard, 2002, et protéger les victimes. Et notamment la question de l'enfance est un sujet où les Français sont extrêmement sensibles. Mais la critique vis-à-vis de la justice pénale, c'est l'idée que les coupables ne sont pas assez sanctionnés, plus que les victimes ne sont pas assez protégées. N'oublions pas comme l'affaire Dutron a été un véritable révélateur sur le dysfonctionnement de l'institution judiciaire et les indicateurs de confiance dans la justice s'étaient effondrés, mais c'est à partir de ce moment-là où les Français ont pris conscience que les victimes étaient mieux protégées que par le passé, après les corrections sur cette enquête. Bonjour, même la malle de la laïcité, avec 4 enseignants sur 10 qui considéraient qu'ils avaient changé leur manière d'enseigner depuis l'assassinat de Samuel Paty. Je répète que cet événement est un événement traumatique, et l'affaire Dominique Bernard, qui a été plutôt bien traitée médiatiquement, politiquement, réactive un traumatisme très fort dans l'opinion. Sur la question de la laïcité, je suis frappé de voir qu'il y a un consensus très fort chez les Français, gauche-droite, y compris dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, sur la laïcité est en danger, c'est un patrimoine, c'est un trésor, mais il y a de plus en plus un clivage générationnel. C'est-à-dire quand vous parlez de laïcité, entre jeunes et moins jeunes, vous n'avez pas les mêmes mots, vous n'avez pas les mêmes définitions. C'est une question qu'on pose historiquement pour la Fondation Jean Jaurès, mais qu'on retrouve aussi dans les enquêtes qualitatives. Pour les plus de 30 ans, les plus de 35 ans, qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est séparer la politique du religieux et que la religion, pratiquer sa religion, soit dans l'espace privé. C'est comme ça que c'est dit. Chez les jeunes, c'est assurer la liberté et l'égalité entre les religions et assurer une forme de visibilité des religions. D'où les clivages entre jeunes et moins jeunes sur le voile, sur la présence de signes ostentatoires religieux dans l'espace public. Et voilà, c'est sur cette question-là qu'il y a un vrai clivage de plus en plus fort, et ce qui peut être vu comme inquiétant, et je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater, c'est que derrière ce terme laïcité, la définition qu'en font les jeunes générations, notamment les lycéens, favorables aux signes religieux au lycée, favorables à ce que des mamans voilées accompagnent les enfants en sortie scolaire. Un tiers des jeunes de moins de 30 ans ont considéré dans une enquête IFOP pour Marianne que Samuel Paty avait eu tort de montrer des dessins pour illustrer la liberté d'expression, des dessins religieux. Donc cette génération offensée, surtout ne pas offenser les croyants, se distingue de plus en plus de l'ensemble des Français. Je vais devoir vous quitter dans quelques minutes, mais je suis prêt encore à prendre d'autres questions. Juste une pour moi, Monsieur Dabi. Oui, monsieur. Vos questions, vos chiffres ont toujours été des moments de mise à l'aide sur la vie du quotidien, et j'ai toujours été impressionné par cela. Je viens de faire le point à l'instant et je me rends compte que 45% des questions qui ont été posées ont trait à l'international. Vos données également montrent combien de fois ça commence à monter au sein de la population française, les préoccupations des événements qui se déroulent aussi loin de chez nous. Mais à contrario, ces sujets ont toujours été préemptés, et c'est apparemment une tradition française, que les questions diplomatiques de relations internationales sont réservées à des cercles souvent fermés, et des personnes qui sont très souvent assez éloigné des réalités des populations. Donc moi, je voulais poser une question, je ne sais pas si vous avez fait une étude là-dessus. Pourquoi les états-majors politiques, peu importe le parti, ne prennent pas la peine de mettre sur la table, lors de pareils événements, ce type de sujet?
parce que ce qui se passe au bout du monde nous a toujours impacté. Je ne veux pas parler de l'Union européenne parce que l'Union européenne n'est plus considérée comme l'international, mais moi je parle de ce qui se passe dans l'Amazonie, en Afrique, en Asie du Sud-Est et aujourd'hui au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que les états-majors des partis politiques sont frileux? Quand je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui sont aussi spécialisées dans ces questions-là, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je ne sais pas si vous avez mené cette étude. Merci pour votre réponse. Je n'ai pas mené cette étude, mais votre remarque est très, très intéressante. Ça montre que l'opinion publique va peut-être plus vite que les états-majors des partis politiques. Moi, je participe à beaucoup de conventions pour toute une série de partis, tous les partis, sauf LFI et le Rassemblement national. Et c'est vrai que j'ai rarement été interrogé dans le cadre de questions internationales. Et comme je vous le disais, c'est frappant de voir que les Français s'y intéressent de plus en plus, ça peut être une forte motivation de vote, que ça reste quand même relégué derrière des sujets très très quotidiens, mais l'idée que la globalisation, que ce qui se passe dans la forêt amazonienne peut avoir des effets chez nous, ce qui s'est passé en Syrie en 2013-2014, a peut-être expliqué ce qui s'est passé chez nous en 2015, c'est vraiment, ça fait sens dans l'opinion, alors qu'avant, je reprends votre terme, c'était des cercles spécifiques, les personnes âgées, les personnes extrêmement diplômées, les gens vivant dans les grandes villes qui s'intéressaient à ces questions, ça, c'est complètement fini, et je vais vous dire, ça a maintenant un impact sur l'évaluation de l'action présidentielle. On fête cette année les 20 ans du baromètre IFOP Paris Match. Pendant très longtemps, l'item de trait d'image du président qui est « Il défend bien la France à l'international » était toujours extrêmement bien noté par les Français, même pour des présidents impopulaires. Jacques Chirac était très fort entre 2004 et 2007, alors que intérieurement, ça n'allait pas pour lui, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on disait que c'est un président qui ramenait beaucoup de contrats à l'international. Le Nicolas Sarkozy, très impopulaire pendant quasiment 5 ans, a toujours été bien noté là. François Hollande a connu, outre les lendemains des attentats, des rebonds forts sur l'international, notamment l'affaire du Mali. Et ben, il s'est passé quelque chose dans l'enquête Paris Match du mois dernier, où Emmanuel Macron a chuté sur cette dimension-là. Et passer sous les 40%, ce qui n'était jamais arrivé. Alors on peut dire, c'est lié à ce qui s'est passé au Niger, au Mali, la brouille avec le Maroc, enfin l'Ukraine, mais ce que je vous fais passer comme message, c'est que maintenant, cette dimension, et je rejoins ce que vous dites sur l'idée qu'on doit en parler dans les cercles militants, peut avoir un impact fort et concret sur le jugement des Français vis-à-vis du personnel politique. Est-ce que le dérapage de Jean-Luc Mélenchon, quand je dis dérapage, c'est qu'il est, il est d'une part minoritaire, d'autre part en décalage avec sa base, puisque dans l'enquête IFOP pour le CRIF, une majorité de ses électeurs considèrent qu'il a mal parlé du conflit et une majorité considère que les crimes commis par le Hamas sont des crimes terroristes ou contre l'humanité. Est-ce que ça ne va pas être la polémique de trop pour le leader de la France insoumise? Je n'ai pas la réponse, mais là, l'international, encore un signe, ça compte. Oui, bonjour, merci pour tout ce que bonjour. Vous avez dit. Bizarrement, je n'ai pas vu ce qui, moi, me donne le moral. Parce que vous l'avez dit. Et alors, du coup, ma question, c'est, est-ce que vous seriez ouvert à une autre façon de voir le monde, une autre façon de poser des questions, une autre façon de coopérer? Alors, je vous explique, vous m'entendez ou pas? Je vais répéter, c'est non. Alors, je vais finir là-dessus. Là, vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, très rapidement, moi, je n'ai pas vu ce qui me donne le moral. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que vous venez probablement des sciences humaines qui ont l'habitude de travailler sur ce que l'on ressent. Moi, je viens des sciences dures où on dit, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et alors, quand on apprend à voir ce qu'on ne voit pas, on apprend à voir le monde autrement. Et alors, notre monde, il change à toute vitesse en ce moment. Tout s'accélère. Et quand tout s'accélère, eh ben, faut piloter autrement. Moi, je marche sur place, je tourne sur place, j'ai pas de problème. Mais si j'imite la petite voiture, je vais imiter que je change de vitesse. On n'a pas les outils pour changer de vitesse. Par contre, si on les invente, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes qui se résolvent tout seuls. Donc, je peux tirer la ficelle autant que vous voulez. Hein. On est dans un monde quantique, on ne sait pas ce que c'est qu'un monde quantique. Mais si on essaie de chercher, on s'aperçoit qu'il y a des invariants. Et là, on retrouve toutes les sagesses de partout. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire des choses merveilleuses. Il manque un tout petit truc, c'est que les gens de la politique, ils
acceptent de s'ouvrir à ce qui vient des autres mondes. C'est-à-dire qu'il y a besoin de faire le pont entre les sciences. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez envie de faire le pont entre les sciences ? Ah, moi, je ne suis pas là pour créer des ponts. J'ai fait référence dans mes propos à de nombreuses enquêtes qualitatives, où je n'ai pas, où le sondeur ou le commanditaire n'a pas suggéré des choses. Il n'a pas parlé spontanément de choses qui créent du malheur, qui créent du pessimisme, l'inflation, l'insécurité, toute une série de choses. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, on les voit parfois dans nos enquêtes. C'est vrai qu'on trouve ce qu'on cherche, mais je suis frappé quand même par des tendances. Alors, je ne vais pas parler des sciences, parce que je ne suis pas scientifique dur, je ne suis pas non plus des sciences humaines, je ne sais pas ce que je suis d'ailleurs, mais je suis un modeste observateur de ce que me disent les Français à travers des sondages fermés, à travers des réunions de groupe, à travers du terrain, parce que je fais beaucoup de terrain, j'ai la chance d'aller beaucoup voir des maires de toute une série, je suis allé en Lozère, je suis allé dans la Drôme, j'essaye de faire ce travail de terrain. Tout ne va pas mal, il ne faut pas tomber dans cette... sinistrose. Alors de même, il ne faut pas prendre le petit... quand on m'interroge sur dire est-ce que la victoire de la France en Coupe du Monde de rugby, bon, qui n'a pas eu lieu, saurait donner le moral en fait aux Françaises, c'est des questions que je trouve risibles. En tout cas, jamais l'inquiétude pour... Enfin, plutôt le décalage entre l'inquiétude sur les questions globales et la confiance sur le local et sur son territoire et son écosystème a été aussi forte. Maintenant, votre question, je voudrais la poser aussi à des responsables politiques. Je ne trouve pas que tout soit dans la sinistrose, même si il y a des forces politiques qui jouent très fortement sur le déclin pour apparaître comme une alternative. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci à Frédéric. Je voudrais... Alors, du coup, il y a eu beaucoup de questions. Oui, la présentation qui a été faite sera disponible après la convention. On la distribuera dans les boucles idoines. Je voudrais saluer du coup l'arrivée de notre... est-ce que je les vois, est-ce qu'ils sont là? De notre président... alors attendez, on va encore attendre un tout petit peu. On a encore une séquence qui va arriver, donc la déléguée nationale égalité qui va nous présenter le réseau égalité de territoire de progrès et le comité de lutte anti-discrimination. C'est quelque chose à laquelle nous étions engagés lors du dernier congrès, c'est vraiment être en pointe sur ces sujets-là. Donc on aura Sylvie Rosseroir qui va nous présenter ce réseau très, très prochainement. Ensuite, nous aurons du coup le déjeuner qui aura lieu dans cette salle-là. Ici, on passera l'ensemble de la journée dans cette salle. Voilà. On a un tout petit peu de battement, on va y arriver. Ça arrive, c'est les joies du direct. Comment ? Non, je ne chanterai pas sur les internationales. Ou... Enfin voilà, et puis on a, je voudrais saluer le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, qui est au fond de la salle, et que je remercie pour sa venue aujourd'hui. À la table ronde d'Europe, pour nous apporter son éclairage de grand élu territorial sur le logement. Et on aura ce parallèle avec la mairie de Aubervilliers, Karine Frontesque, qui va également nous rejoindre très prochainement. Voilà. Allez, pour meubler. Comment ? Il faut meubler. Et je voudrais saluer du coup l'arrivée de notre président de Territoire de Progrès, Olivier Dussopt, et d'Agnès Pannier-Runacher, président de la République.
Bienvenue, chère Agnès, chère Patricia, cher Olivier, qui nous font un petit mot d'accueil. Merci, Madame la maire, Madame Franquet, de nous accueillir dans votre très belle ville et dans ce joli lieu qu'est l'Embarcadère. Merci énormément. Je crois qu'on peut applaudir Madame la maire d'Auberville qui nous accueille aujourd'hui. Pour clore cette séquence matinale, je passe la parole à Sylvie qui du coup a très peu de pression, parce qu'elle va être en frontline, et qui anime la délégation égalité de TDP à laquelle nous tenons énormément, comme Olivier et Agnès l'ont souhaité lors du dernier congrès à Marseille. Nous avons souhaité mettre en place un comité de lutte anti-discrimination et être à la pointe sur ces sujets. Donc, je voudrais qu'on applaudisse très fort Sylvie Rosecroix. Alors ça tombe bien que vous soyez tous arrivés maintenant, je vous remercie. J'ai l'honneur, et non pas la charge, de vous annoncer la création du comité anti-discrimination au sein de notre parti politique et de vous rappeler l'existence du réseau Égalité. Ce n'est pas par hasard que nous sommes dirigés par un binôme paritaire avec notre président Olivier Dussopt, Agnès, présidente du Conseil national. J'en profite pour saluer mon amie Roltaise de service, la ministre Patricia Mirallès, de remercier Madame la maire de sa présence et Monsieur le délégué national. Alors, Émilie, merci d'être au devant de toi aussi. Je les cite parce que c'est une volonté politique forte, c'est aussi une mise en place d'outils pour ce faire. Et pour ces deux dispositifs d'égalité, de réelle égalité et le dispositif antidiscrimination, vous les avez voulu, vous les avez votés, mais vous avez pu le faire parce que notre démocratie interne est très active, parce qu'il y a une volonté de notre direction nationale et parce qu'il y a une volonté de vous tous, parce que c'est vous qui la fabriquez, alors vous pouvez les applaudir et vous applaudir. Alors, il est toujours dommage de devoir installer des observatoires de bonnes pratiques, d'inclusion et d'égalité, mais en attendant des jours meilleurs, il nous a semblé que c'était une vigie, un curseur facilitant les progrès humains. Et je suis toujours très fière de parler de tout ce que nous avons mis en place au-delà de nos murs. Dans le contexte sombre des ferveurs religieuses, politisées, nous devons, nous les partis, nous tous, être au rendez-vous de l'idéal républicain tel que décrit par Emmanuel Macron, évoquant Jaurès dans un mail envoyé le vendredi 4 mars 2022 aux adhérents de la majorité présidentielle. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déjà présents autour de nous. Il avait dit « Soyez engagés, fiers de ce que nous sommes, mobilisés pour faire gagner la France, l'Europe et nos valeurs de démocratie, d'indépendance et de progrès. Je compte sur vous, militants de l'idéal, peut-être pour être au rendez-vous de ce moment d'histoire. » Nous, toujours militants de l'idéal de Jaurès, le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre, le réel. Excusez-moi, du coup le micro m'empêche de voir un petit peu, mais voilà. C'est dans cette poursuite de l'idéal que dans le réel, nous pensons que la création d'un comité antidiscrimination au sein d'un parti politique représente un engagement essentiel pour l'égalité et la justice. Alors, dans ce contexte marqué par les défis sociétaux, des luttes pour l'inclusion, cette initiative témoigne de la volonté de promouvoir la diversité et de lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc, il travaillera activement à élaborer des politiques inclusives, à sensibiliser les membres du parti et à faire entendre les voix des groupes marginalisés. En intégrant cette dimension dans nos statuts fondateurs, nous avons fait un pas important vers un avenir plus équitable et respectueux des droits de tous, et c'est grâce à vous. Merci donc à tous et toutes ici présents. J'en profite pour rappeler le réseau Égalité. Il est mixte. Il y a une déléguée régionale par région. Je salue ici la présence de Claire Burlet qui est relais Égalité des Hauts-de-France. Donc elle travaille et il travaille avec les délégations régionales que je salue, toute la structuration territoriale qui est là, à faire des formations. Ils savent les faire. N'hésitez pas à les solliciter. Ils sont sur le pied de guerre, parce que c'est quand même une guerre à mener. Donc merci à toutes et tous ici présents. Je fais court parce que vous pensez bien qu'en fin de parcours, il est urgent de terminer. Et donc merci à vous tous qui défendez ces principes cardinaux. Vous n'êtes pas dans cette majorité pour rien. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et si j'osais dire, je dirais vive la République, vive la France. Ben oui, et vive l'Occitanie.
là. Ah bah bravo. Donc, je ne sais pas si quelque chose est prévu avant qu'on aille, que le déjeuner... Guillaume. Je pense que peut-être il y aura un petit mot de madame la maire, non? Ou... Oui, ben, on peut faire ça. On peut faire ça, voilà. Madame la maire. Si elle est d'accord, oui, je vais. Il faut faire le tour. Bon, on va faire le tour. Il faut l'applaudir. Hein. Je voudrais te remercier Sylvie à nouveau et passer la parole à la maire d'Aubervilliers, Karine Franquet, qui arrive. Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse une nouvelle fois. Elle a gentil de vous accueillir dans ce très bel équipement d'Aubervilliers. Ce chemin, j'ai mis du temps, mais d'habitude, il y a des escaliers. On va écouter Monsieur le ministre, cher Olivier, Madame la ministre, chère Agnès Pannier-Runacher, Madame la secrétaire d'État, chère Patricia Mirales, chers élus, mesdames, messieurs, et puis chers amis, parce que j'en vois dans la salle. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir au cœur de notre ville, et particulièrement ici à l'Embarcadère. Alors pourquoi particulièrement ici à l'Embarcadère? Parce qu'on est avec mon équipe municipale, et ils sont nombreux, et j'en profite pour les saluer. On est très fiers de cette salle, parce que cette belle salle, mais il y a 3 ans, elle était éteinte, elle servait à peine de sa défaite, et puis on a décidé de la rallumer, de proposer une programmation culturelle populaire, mais populaire au sens noble du terme, mais une programmation surtout qui rassemble. Et quand on est dans une ville comme Aubervilliers, où il faut rassembler les anciens, les cités, les quartiers pavillonnaires, les nouveaux arrivants, et moi on est convaincus avec, j'en oublie peut-être, mais je vois, avec Damien, avec Véronique, avec Cédric, avec Franck, enfin avec Michel, avec qui sont très nombreux. Enfin, on est tous convaincus que c'est, entre autres, par des moments culturels, et puis aussi, parce qu'on y tient beaucoup au sein de l'équipe, par des moments de convivialité et de partage, qu'on peut rassembler tout le monde et améliorer notre cadre de vie. Donc on est vraiment très fiers que cette salle, qui a aussi été... d'abord notre centre de vaccination, soit aussi maintenant un bel endroit. Et donc on est vraiment ravis de vous accueillir ici, parce que il y a aussi peu de moyens, peu de moments où on arrive à parler positivement de la ville, et ça on se bat au quotidien pour faire parler d'Aubervilliers de manière positive, parce qu'Aubervilliers c'est une ville pleine de potentiel, et souvent dans les médias on n'en parle que pour du négatif. Et je vais vous raconter une anecdote qui date pas plus tard qu'hier. Hier, comme souvent, on doit le dire, on accueillit une visite ministérielle, parce que, a priori, vous aimez tous venir à Aubervilliers, vous y êtes toujours les bienvenus. Donc on avait l'honneur d'accueillir Olivier Véran et Prisca Thévenot. Donc on a été visiter le chantier de la piscine qui avait été impacté par les émeutes, notre belle piscine olympique dont on sera très fiers de pouvoir offrir après aux habitants du Beau, parce que je salue l'arrivée de Michel qui arrive. On trouve ça important d'offrir du Beau à Aubervilliers. Et puis après, il y a eu un moment d'échange avec les jeunes du service jeunesse. Et vraiment un moment d'échange, les ministres sont même restés 45 minutes de plus, c'est vraiment un moment positif, un moment qui fait... vraiment du bien dans les moments où un peu compliqués qu'on traverse. Et puis à l'issue de cette séquence micro-tendue, donc les ministres relatent cette séquence extrêmement positive, on était tous émus, fiers, contents. Et puis là, question, est-ce que vous pensez que le conflit israélo-palestinien rejaillit, alors qu'on n'en avait pas parlé, on en avait à peine parlé, ça avait été évoqué de manière très positive. Donc les journalistes se sont fait ramasser d'abord par Olivier Véran, puis par Prisca Thévenot, puis j'en ai rajouté une couche. Eh bien, il n'y a pas eu, j'ai scruté, ma community manager a
scruté aussi, pas un passage de cette visite dans les médias, alors qu'on avait quand même une belle séquence, très belle séquence. C'était une séquence qui montrait à quel point on avait aussi un visage de la jeunesse à Aubervilliers extrêmement positif et bien, pas un moment dans la presse. Donc ça, c'était vraiment... voilà. Et alors que nous, on se bat pour parler d'Aubervilliers de manière très positive. Donc voilà, c'était une parenthèse. Donc je me réjouis vraiment de vous accueillir parce que depuis le début de mon engagement... pour Aubervilliers, il y a quelques années déjà, j'ai vraiment pour ambition de réunir et de faire travailler tous ceux qui ont une vision constructive pour la ville. Et on a vraiment créé une véritable équipe au service du collectif et de l'intérêt général, avec pour dénominateur commun des valeurs qu'on partage, une envie et la détermination d'œuvrer et de faire du bien à cette ville. Et vraiment, je suis très fière d'être à la tête d'une équipe fédérée au-delà des étiquettes et des clivages. Au sein de mon équipe, il y a certains élus qui sont justement investis pour territoire de progrès. Je pense notamment à Véronique d'Auvergne, mon adjointe en charge de la santé et de la salubrité, qui fait vraiment un travail incroyable avec les services de la ville, notamment. Alors, tu fais beaucoup de choses, Véro, mais s'il y a bien une chose que je voudrais souligner, c'est ce combat que tu mènes pour lutter contre les marchands de sommeil, vraiment, et vraiment avec des résultats concrets. Et puis aussi avec Cédric Schroeder, avec Franck Leroy, qui sont aussi des adhérents Territoires de Progrès, vous avez vraiment à cœur d'aller pour l'inclusion, et vous nous organisez chaque année un magnifique mois des fiertés. Donc je pense que vous pouvez les applaudir pour ce qu'ils font pour l'équipe d'organisation. Damien, Michel, on fait aussi plein de choses, mais là c'était leur moment à eux. Donc cet après-midi, je sais que vous allez parler de sujets centraux comme notamment l'Europe. Alors moi et puis l'emploi. Alors je ne vais pas vous parler d'Europe parce que là aujourd'hui je suis venue vous parler en tant que maire d'Aubervilliers, mais je vais vous parler un petit peu d'emploi et puis de ce qu'on fait à Aubervilliers avec mon équipe pour l'emploi. On s'en occupe au quotidien et on a vraiment à cœur d'accompagner les habitants vers l'insertion et vers la reconversion. Et donc, pour vous citer des exemples concrets, on est vraiment très fiers d'avoir inauguré, là, il y a quelques semaines, une mission emploi qui a pour but de travailler en partenariat avec Pôle emploi, avec la mission locale, avec les différents partenaires. Et c'est vraiment un service municipal dédié à l'accompagnement des jeunes, et du moins jeunes d'ailleurs, en faveur de l'emploi. Et puis, on a aussi tout un réseau d'entreprises qui nous accompagnent dans cette structure, avec notamment, cher Olivier, l'entreprise Picnic Kiosque, une belle entreprise qui fait des kiosques mobiles que l'on a eu la chance de pouvoir visiter ensemble avec la Première Ministre il y a quelques mois. Enfin, ça passe tellement vite que je ne sais plus. On fait aussi un forum pour engager l'entrepreneuriat féminin. On a créé avec l'Office HLM une école des gardiens. Et puis là, on travaille aussi avec l'association Positive Planète, la fondation de Jacques Attali, et qu'on espère pouvoir implanter aussi sur Aubervilliers. Je ne vais pas être plus longue, mais je pense que vous l'aurez compris, on est vraiment extrêmement déterminés. Et je pense, la route est encore longue, il y a énormément de travail, mais je pense vraiment, pour conclure, que si ça fonctionne, c'est vraiment parce qu'on est une équipe plurielle, riche de nos diversités, et surtout, j'insiste, avec des valeurs extrêmement communes et puis une détermination sans faille. Excellent après-midi à tous. Merci Madame la Maire. Sans transition, je vais passer la parole à notre vice-présidente de Choc, secrétaire d'État aux anciens combattants, vice-présidente de Territoire de Progrès, Patricia Mirales. C'est mieux dans ce sens. Alors bonjour à tous. Peut-être
vous dire quelques mots et peut-être vous motiver. Vous motiver parce que moi, je me déplace beaucoup sur le territoire français, je dirais, plus qu'à l'international, et je rencontre dans les communes beaucoup de militants, ce que j'appellerais la grande famille qui est contre les extrêmes, parce que c'est ce qu'il faut retenir, que nous sommes là pour se battre contre les extrêmes, et chacun d'entre nous avons parfois des tendances un peu plus à gauche, des tendances un peu plus à droite. Mais l'important, c'est qu'on soit ensemble pour combattre ces extrêmes. Alors, je ne voudrais pas qu'on puisse avoir l'étiquette honteuse, parce que parfois, c'est ce que je ressens dans les territoires. Eh bien, nous n'avons pas à avoir l'étiquette honteuse, bien au contraire. Nous venons d'une famille de gauche, pour certains d'entre nous, et puis d'autres viennent du centre, parfois même de la droite, de l'UDI. Mais l'essentiel, c'est ce que nous devons continuer à faire. C'est ce que le président de la République, et avant candidat, nous a inspiré. Donc aujourd'hui, j'en ai un peu assez d'entendre « Ah, vous avez un défaut ». Bon, j'en ai que, c'est déjà pas mal. Vous avez un défaut, vous êtes macroniste. Alors je demande pourquoi j'ai un défaut d'être macroniste. Je demande à ceux que je rencontre qui, mieux que le président de la République, a fait des choses, que ce soit au niveau social. Moi, je viens de 25 ans de PS, je peux vous dire que j'ai jamais vu autant de social depuis que nous avons le président de la République. Jamais. J'en arrive même à avoir honte d'avoir été au PS quand je vois ce qu'on était capable de faire. Nous, nous faisons les choses. Alors, c'est bien beau les paroles, c'est bien beau de dire « oui, mais nous on est de gauche ». Ah, ils sont beaux la gauche à l'Assemblée nationale. Ils sont beaux. Ils parlent, ils n'agissent pas. Sur les territoires, c'est le vide complet. En revanche, ceux qui sont sur le territoire, ceux qui se battent, ceux qui tiennent le coup, ceux qui prennent des coups sur les marchés, c'est nous, c'est vous les militants. Et donc, il faut continuer, il faut se dire que on pourrait peut-être faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais en tous les cas, on a fait ce qu'on a dit. Et le président de la République, il me semble qu'il est élu encore pour un moment. Alors avant de regarder ce qui va se passer le coup d'après, je crois que le travail, il faut le mener jusqu'au bout, maintenant, aujourd'hui et demain. Alors je voudrais surtout vous remercier parce que finalement, sans vous, on ne serait pas grand-chose. On a besoin de vous, vous êtes nos forces sur les territoires. Et on doit peut-être vous aider, vous aiguiller. Quand je vais à la rencontre des militants sur le territoire, souvent ils me disent « Mais quel est l'argument que je peux avoir chez ma coiffeuse, à la boulangerie, devant mon banquier, quand on me dit « Oui, vous n'avez pas fait ci ou vous n'avez pas fait ça ?» Comment on explique le 49-3 aujourd'hui ?» Moi, je dis que c'est très simple, le 49-3. Je l'ai expliqué à des étudiants de droit l'autre jour. En Espagne, pendant 4 ans, ils n'ont pas pu voter leur budget. Et donc, ils sont restés avec un budget de 4 ans en arrière. Ce qui fait que pendant 4 ans, eh bien, quand vous êtes, et pour ma part, au ministère des Armées, et que vous avez un budget des armées qui est à 1% du PIB au lieu d'être à 2% du PIB, eh bien, voilà ce que c'est que de ne pas voter un budget. Alors nous l'assumons le 49-3 et c'est une grande chance de l'avoir en France. Parce que ça permet, dès lors que l'on vote des choses pour aider, pour la solidarité, pour le social, si on ne pouvait pas voter le budget, eh bien on ne pourrait pas l'appliquer. Donc il faut aussi le défendre en disant que c'est une grande chance finalement, et même si ça engage évidemment la responsabilité de la Première Ministre, eh bien, moi je suis assez fière qu'on est engagé pour que le budget soit voté, et j'ai aucun problème avec le 49-3, bien au contraire. Voilà, donc certains arguments qui peuvent peut-être vous aider sur les territoires, vous dire qu'on ne lâchera jamais, on ne lâchera rien. Moi j'ai été, et je suis toujours militante, et demain s'il fallait encore être militante, je serai, et je le suis toujours. Dire que pour les européennes, il va falloir qu'on se motive un peu, parce que les européennes, il y a un combat déjà qui est très à droite, avec Bardella et Maréchal Le Pen. Donc profitons de ces combats, laissons-les se disputer et avançons. On a des arguments,
Est-ce que les députés européens du RN ont déjà fait quelque chose de bien? Est-ce qu'ils ont déjà voté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est ce qu'elle est? Non. Et je le vois au niveau de la défense, par exemple. Parce que c'est ce qui me concerne le plus. Donc, n'ayons pas honte de dire qu'en fait, ils sont là que pour prendre l'argent. Ils prennent l'argent, ils viennent prendre des mandats supplémentaires. Aujourd'hui, on a des députés à l'Assemblée nationale qui font quoi? Ils sont sur les territoires pour quoi? Pour prendre les villes, pour aller prendre les plus petites communes de France. Mais pourquoi nous, on ne les prendrait pas, ces petites communes de France? On en est capable et on va le faire. On ne va pas leur permettre d'arriver au présidentiel parce qu'ils auront eu un maillage territorial. Nous le savons qu'on empêche d'être un jeune parti. C'est long de créer et d'avoir un parti qui est efficace. Parce qu'il faut aussi des moyens. Il n'y a pas que les moyens humains, il faut aussi des moyens financiers. Et donc, moi je trouve qu'on peut être fiers de ce qu'on fait, on peut remercier tous les bénévoles et tous ceux qui s'appliquent aujourd'hui à faire que vous êtes 150 et mobiliser 150 personnes pour venir ici à Aubervilliers. Je voudrais encore remercier Madame le maire pour son accueil. Ben, ce n'est pas si facile, mais je trouve qu'il faut dire que c'est bien, parce que regardez le PS aujourd'hui, hein. Excusez-moi, mais il ne motive plus personne. Hein. Donc on n'a pas à avoir honte d'être 150, puis 200, puis 300, puis 400. Mais on va y arriver, il faut du temps. La seule chose, c'est que, un, il faut être ensemble, il ne faut pas se regarder comme des chaînes faïences. Et je vous le dis, on va continuer et on prendra des petites villes et on continuera. Et pour l'élection prochaine du président de la République, je ne sais pas qui sera le candidat, mais je reste persuadée que ce sera un candidat qui sera de gauche. Merci. Patricia, pour te paraphraser lors du congrès de Marseille, grâce à Patricia, la campagne, elle est réglée. Mais en tout cas, merci pour tes mots et pour l'énergie que tu mets à chaque fois pour nous mobiliser. Je sais que tu es militante avant tout et tu nous montres tous les jours à travers ton action résolue au sein du ministère des Anciens Combattants. Sans plus attendre et avant le déjeuner, je voudrais qu'on passe la parole pour un mot d'accueil à Agnès Pannier-Runacher, notre président du Conseil national, et Olivier Dutoff, président du territoire de Provence. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, chers amis. On s'est dit que c'était peut-être mieux de venir à deux, qu'on aurait sans doute l'occasion de vous parler cet après-midi pour conclure cette session, et que la première chose qu'on voulait partager, c'était le plaisir d'être avec vous. C'était le plaisir d'être avec vous parce qu'il est bon, d'être avec les siens, il est bon de faire une pause sur les idées, il est bon de regarder le chemin parcouru et il est bon aussi de se projeter, de se demander ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut faire de plus grand, ce qu'on peut faire de plus fort et de se dire qu'on a beaucoup d'appétit, beaucoup de gourmandise pour les combats qui sont devant nous et qu'on va le faire ensemble. Et ces moments de convivialité qu'on va partager dans les minutes qui viennent, ben ça a beaucoup de valeur. Donc merci d'être là, merci d'être vous, et surtout prenons ce plaisir d'être ensemble, tous ensemble. Je dirais un plaisir qui sera un peu frustré de mon côté, puisque je dirais à la motion de censure tout à l'heure, en excusant mon camarade Olivier Dussopt, le meilleur d'entre nous, pour qu'il puisse rester ici. Vraiment grand plaisir d'être avec vous, grand plaisir de savoir qu'on va encore porter ces combats et grand plaisir de savoir que ce qu'on porte est beau et fort, a beaucoup de valeur et en particulier dans le monde turbulent dans lequel nous vivons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Agnès, parce qu'effectivement, Agnès aura ma procuration pour avoir la joie de participer au 27e débat de motion de censure que nous connaissons depuis le début du quinquennat, un samedi après-midi. Parfois, c'est le lundi soir ou le vendredi soir, donc toujours à des moments agréables, puisque nous entendons les pires vilainies pendant quelques heures, qu'à la fin, on rentre chacun dans nos ministères, bien content qu'elles ne soient pas adoptées. Donc, c'est vraiment merci à toi de porter notre voix commune cet après-midi. Je vais peut-être simplement vous dire quelques mots de remerciement. D'abord à vous, Madame le maire, chère Karine. Merci de nous accueillir dans cette belle ville d'Aubervilliers. Merci à Véronique d'avoir permis cette mise en relation et de nous permettre, grâce à cet accord, de bénéficier de ce beau lieu
et d'autant plus un lieu qui vit avec cette culture populaire que vous voulez faire vivre avec toute l'équipe municipale. C'est très important pour Territoire de Progrès, c'est très important pour nous de pouvoir nous réunir dans des lieux qui ont aussi du sens. Du sens en termes de cohésion sociale, du sens en termes d'égalité d'accès à la culture ici, ou au savoir, ou encore à la possibilité d'entreprendre, je pense au dernier lieu que nous avions investi de notre dernière convention des idées. Deuxième mot de remerciement pour Guillaume, Théo et toute l'équipe, je cherche Guillaume, qui ont organisé de bout en bout cette convention. C'est notre troisième convention des territoires, troisième convention des progrès, et c'est devenu notre marque de fabrique que de prendre des moments, des journées, tous les 6 mois, tous les 8 mois, pour nous retrouver et permettre pendant quelques heures à la fois de partager, comme vous l'avez fait ce matin, avant que nous puissions vous rejoindre, et comme nous le ferons cet après-midi autour des tables rondes. Ces tables rondes seront riches, la première est consacrée au logement, elles seront animées à la fois par des élus très engagés, par des praticiens, quand je dis praticiens, ce sont des élus mobilisés sur les questions de logement, avec Jean-René Sugarail qui nous a rejoint, le maire de Bayonne, avec Christophe Bouillon, le président de l'Association des Petites Villes de France, qui est en route pour nous rejoindre. Et je suis sûr que tout le monde en repartira là aussi plus riche, comme vous repartirez plus riche sur les autres sujets. Et je pense notamment à la question de l'Europe, bien évidemment. Laurence Boud nous rejoindra tout à l'heure pour animer cette table ronde et ainsi partager son expérience de secrétaire d'État aux affaires européennes. Je n'en dis pas plus, je pourrais allonger la liste des remerciements. J'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure. Mais Agnès t'a dit, le propre de ces rencontres, ce sont aussi des moments de convivialité. Et comme vous pouvez l'entendre, bruit des assiettes, qui est peut-être un des bruits les plus agréables de nos vies aux uns et aux autres, ce moment de convivialité est arrivé. Donc il nous revient avec Agnès de vous souhaiter un très bon appétit, et puis de vous donner rendez-vous tout à l'heure pour les tables rondes et continuer à échanger. Merci à toutes et à tous, à tout à l'heure.